c'était quoi? C'était de
Oh bordel. On vient de me dire gentiment, tu es en retard. Je crois que c'est toi en plus, Juju. Je suis allée voir sur Instagram si vous aviez vu la nouvelle story. Et j'ai vu... Tu es en retard, on t'attend. Oui. Là là. Bonjour l'équipe, vous allez bien? Bonjour Cetox, bonjour Juju, bonjour Nougati, bonjour Susu. Bonjour les gars, comment ça va? Vous allez bien? Tout le monde va bien? Par contre, ça, là. Ok. J'ai fait des petits changements, alors il faut que je vérifie tout. J'ai pas eu le temps de tout faire. J'avais beaucoup, beaucoup de choses à faire ce week-end. Fou! Bonjour Olive. Mais ça, sur la randonnée d'hier, mais clairement Juju, hein. Hier, elle était... on a fait des dénivelés, des dénivelés, des dénivelés. J'ai les jambes en feu hein, ce matin. Et ça fait tellement du bien. Et on a fait des plans et tout. J'ai trop hâte d'attaquer le montage. Faut que j'attaque le montage. Mais en fait, j'ai beaucoup de montage à faire très important là. Que je peux pas. Si, je peux, parce que je voulais un peu teaser. J'ai le montage le plus important de l'année par rapport au Télévis à faire. Faut que je finisse de le tourner. J'attendais qu'il y ait un peu de soleil en fait pour aller faire des plans en extérieur. Normalement, demain il y a du soleil donc je vais pouvoir tourner les derniers plans. Il faut que je monte la vidéo de la rando. Il faut encore que je monte une variante de stream. Je suis en train de travailler aussi pour YouTube. J'ai pas trop envie de vous en dire. J'avais noté des trucs, je crois, à vous dire, mais je suis pas sûre. Je sais pas si ça vous concerne directement ou pas. Ah, si. Ah, oui. Ah, oui. Ah. Ah. J'ai oublié, moi, ça. Oh. One in, and one in. Ok. Ah non. Anna, everybody. Vous sentez ce stream pas préparé du tout? Que j'ai fait un quand même, c'est pas un petit changement, c'est quand même un changement important qu'il faut que je vous parle avant qu'on commence. Je cherche. Ah. Ok. Everybody, skin stone. Ah, c'était ça, voilà. Voilà. Alors, messieurs, dames, j'ai un truc très important à vous dire, c'est que on va essayer pendant quelques mois une nouvelle chose, c'est qu'on ne va plus... Enfin, je vais vous demander de ne plus me soutenir via les subgifts. J'ai pas...
Je suis rentrée dans les détails avec les modérateurs. J'ai pas spécialement envie de rentrer dans les détails avec tout le monde. Mais en fait, avec les modérateurs, on a envie de faire un test. Le moins possible de subgift. D'ailleurs, on ne l'affiche plus à l'écran. Il n'y a plus de sub goal, etc. Vous prenez votre sub, si vous le souhaitez, tout seul, pour avoir votre badge, vos émotes, etc. Ça, c'est comme d'habitude, ça ne change pas. Mais si vous voulez vraiment soutenir en plus de votre sub, dorénavant, on vous invitera donc à faire soit un don PayPal, voilà, ou alors vous faites des bits. Voilà, vous faites des dons par bits. Et grâce aux bits, vous aurez en plus des nouveaux badges, des nouvelles émotes. Et voilà, pour le moment, voilà. Mais je vais mettre en place, grâce aux bits, des récompenses de genre points de chaîne, mais avec les bits aussi. Mais des récompenses un peu plus importantes, je sais pas encore quoi. Mais voilà, dorénavant, en plus de votre sub personnel, si vous voulez me soutenir, les gars, ce sera par les dons PayPal. Pour ceux que je connais, important, et par les bits pour les autres, ça va ? Voilà, ça c'est la petite parenthèse. Alors aussi, dorénavant sur TikTok et YouTube Short, vous retrouverez tous les clips Twitch de la chaîne. Donc voilà, des petits montages que je fais, etc. Donc pour TikTok, ça ne change pas, c'était déjà comme ça. Mais dorénavant, ils seront aussi postés sur YouTube Short. Pourquoi ? Parce que je vais essayer de centraliser tout ce qui est gaming sur TikTok et YouTube. Et tout ce qui est un peu plus pro, IRL, etc., je vais mettre ça sur Instagram. Donc je vais vraiment séparer le contenu gaming et le contenu un peu plus pro, IRL, randonnée, etc. J'ai plus envie de mettre sur Instagram du gaming. Voilà. Donc, si vous voulez, si vous n'avez pas TikTok et que vous regardiez les clips sur Instagram, je vous invite à venir sur YouTube alors. Voilà. C'était les deux choses les plus importantes en vrai. Ah oui, si, il y en a encore une, mais je suis encore en train de tester ça, donc j'ai pas trop envie de vous en parler tout de suite. Ouais, je vais pas en parler tout de suite parce qu'il faut encore que je teste. Mais voilà, c'est déjà pas mal, hein. Ça fait déjà beaucoup d'informations. J'espère que vous avez tout compris. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Je peux la mettre, Carnage, ouais. Quoi. Ouais, je change carrément le titre en vrai. Voilà. Bah, attends, parce que je remonte parce qu'il y a des gens que j'ai ratés. Donc bonjour Carnage, du coup, bonjour Ultra. On a hâte de voir ça. Tu parles de la vidéo rando, Olive, enfin, ou des vidéos que je suis en train de monter, justement, pour toutes les choses qui arrivent. Mais en fait, finalement, Cetox, Susu, vous êtes là, en fait. Il y a tous les modos qui sont là, et Carnage aussi. Non, mais attendez, parce que faut savoir qu'hier, les modos, ils m'ont dit « Ouais, Lulu, les uns après les autres, je serai pas là demain, je serai pas là demain, ou pas tout de suite, ou... » Enfin, bref. Et finalement, ils sont tous là. Ils m'ont fait peur, en fait. C'était un prank, les gars, ou c'est comment ? Parce que vous m'avez fait peur, hein. Je me suis dit « Ça y est, je vais devoir gérer tout toute seule. » Salut, Polo ! Week-end très chargé, mais très bon, ouais. Merci beaucoup. Bonjour, JC, aussi. Le lundi, t'es toujours là, Carnage. Ah, bah, c'est parfait, ça. Attends, Polo, je suis seulement arrivée à ton pseudo. T'es arrivée en retard, j'ai eu le temps de tout faire. Parfait, alors. Parfait, parfait. Mais ouais, je suis... Je suis un peu courbaturée de partout, là. Donc, je suis un peu au ralenti, j'avoue.
La petite dort et moi j'y arrive pas trop habituée. Bah oui, je me doute, c'est toc. C'est ce que je me suis dit aussi. J'ai pas osé te le dire. Je voulais pas te niquer ton truc. Mais en fait, je suis un peu comme toi. Tout le monde est un peu comme ça, je crois. C'est que t'as envie de dormir quand tu peux, mais tu peux plus parce que ton horloge interne est faite en fait. Donc voilà. Par contre, j'ai des infos pour Hogwarts Legacy qui ne vont pas plaire à beaucoup. Ou peut-être à certains, mais pas à tout le monde. Je ne sais pas si vous avez vu l'info passer d'hier, mais Hogwarts Legacy sera en exclusivité, en early access pour les joueurs console, donc Xbox, la nouvelle Xbox et la PS5. Donc pas pour PS4 et tout ça, hein. Ça vous l'oubliez, vous l'aurez pas avant 6 mois. Donc PS5 et la nouvelle Xbox. Vous l'aurez à partir de mardi minuit. Et les joueurs PC, ce sera mardi 19h. Donc 19h après les consoles. Voilà. Et alors, sur PC, on ne peut pas pré-télécharger le jeu avant mardi 19h. Et ça fait 85 gigas. Donc voilà. Nous, on jouera mercredi matin, tranquillement. Premier jour. Enfin, on fera mercredi, jeudi, vendredi. Hogwarts Legacy, ça va? Mais mardi soir, je pense pas, parce qu'il faut absolument que je finisse mes tournages et mes montages. Donc voilà. Mais comme ça, si vous avez pas vu le. C'est 20 000 bits. Si, 20 000 euros. D'ailleurs, les gars, si vous voulez donner les premiers bits du mois, je ne sais pas pourquoi les 400 de carnage n'ont pas été comptés. Voilà, j'espère que j'ai bien réglé le truc. Mais normalement, tous les bits, à partir de maintenant. C'est les bits du mois, hein, si j'ai bien fait le truc. Mon jardin. Le dernier jour de disco. Passé sur ta peau. Le monthly cheer amount. C'est bien les tirs du mois, hein, donc voilà. Yeah, je vais pouvoir vous spoil, yeah! Je suis direct à Leclerc à l'ouverture pour l'avoir en physique, let's go ça! Faux! J'y joue pas, ah! Console en force! Salut gameuse, ça va et toi? J'ai reçu mon code Instant Gaming, j'espère que ça a marché pour toi. Oui! Tout est bon gameuse! Il est préinstallé! Comment t'as fait? Ah non, tu peux pas le préinstaller sur PC gameuse. C'est impossible! Tu l'as juste dans ta liste, non? Mais il n'est pas préinstallé du tout, hein. Regarde. T'as juste activé ton code, en fait, je vais te montrer. Parce que j'ai eu ça aussi. Tac. Regarde, en fait, il est dans ta liste. Mais il n'est pas du tout préinstallé, hein. T'as juste activé ton code. Hein. Et alors, ils disent disponible le 10 février, mais non, évidemment. Hein. Enfin, je sais pas si les autres qui ont pris une édition de luxe ont la même chose que moi. Il est marqué 10 février, mais j'imagine qu'il va être activé avant, quoi. Mais il n'est pas pré-téléchargé du tout, hein. Tu peux pas le télécharger avant mardi 19h, gameuse. C'est chiant. Honnêtement, moi, des lives sur Hogwarts Legacy, je peux pas regarder. Je veux pas me spoil. Oui, donc tu seras pas ici non plus, quoi. J'attends mon colis au lit aujourd'hui. C'est aujourd'hui que tu le reçois, toi, Polo? Moi aussi, normalement, mais je sais pas. Attends, je vais regarder. Ah si, j'ai eu des nouvelles. Attends. À 3h du matin, j'ai eu un mail. Oh non. Non. C'est un colis fake, ça. Je suis con. J'ai pas cliqué, heureusement. Putain, ils sont chiants, hein. Non, je sais pas, j'ai pas de. Non, je sais pas. Peut-être aujourd'hui, mais je le sais pas. Ok. Pas de soucis, Juju, à plus tard. L'école appelle ma fille. Ouais, vivement, gameuse, vivement. Oui, c'est embêtant, mais c'est pas grave, hein.
toute façon, c'est à ce que je m'attendais, les gars. Je vous avoue que je vais pas le stream pour vous, je vais vraiment le stream pour moi, hein, avant tout. Parce que je sais qu'il y a tellement de gens qui vont le stream déjà que... Bah, franchement, si on dépasse les 20 viewers, je serais contente, quoi. Et pff, même pas... Si on atteint les 15 viewers sur Hogwarts Legacy, à tous les streams, je suis extrêmement contente, hein. Je le sais, il va y avoir tellement de streamers, vous-même, vous allez jouer, il y en a, ils vont pas vouloir se faire spoil. C'est le jeu, hein, c'est comme ça, hein. Je m'en fous. Tu as ajouté des lampes derrière toi ? Ça fait 2 semaines déjà. Le DLC de D2. Je ne l'ai pas encore préco, mais par contre, grâce à vos achats, là... punaise. Grâce à vos achats, les gars, on se met bien, hein. Par contre, je vais aller vite faire une petite game de PVP. Vite aller chercher des contrats. Alors, salut Ghost, ça va et toi? Je devais l'avoir samedi, mais je bossais. Ah, ok. Ah, et ils vont te relivrer à leur polo, ok. Les petites, lesquelles? Les petites là-bas? Enfin, celle-là, là? Là-bas, ça, là? 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 Ça fait 2 semaines déjà. Oui, ça fait longtemps déjà, ouais. Ouais. Ouais, je te promets, 2 semaines. Oui. Oui. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi il y a une quête chez Banshee? Vous n'avez pas l'air trop amoché. Ah mais oui, j'ai le trésor... Oui, je vous ai pas dit, j'ai acheté le... Ça y est, hein, j'ai le trésor asséché, les gars. Merci. Ah ouais, je vous ai pas dit. N'oubliez pas que j'ai acheté le... Ça y est, hein, les gars, j'ai le trésor asséché. C'est... Parce qu'en fait, j'entends tout le monde en parler tout le temps, mais il est fort pourquoi? C'est Cetox qui va nous dire ça, les gars. Le trésor asséché, les gars, je l'ai... c'est bon, je l'ai acheté. Mais c'est fort pourquoi, ça, encore? Tu as changé de coupe de cheveux aussi? Non, mais bah, je pense que je vais bientôt y aller. Hein. Pas peur des missions de la avec tous les événements qui arrivent et tout, je vais aller chez le coiffeur. Hein. On va aller se faire une petite bouteille. Hop. Bon, clairement, je joue un petit peu en attendant l'équipe du lundi, les gars. J'ai envie. Ah, je peux les prendre. Parfait. J'ai envie de me faire plaisir, les gars. Donc, c'est parti. 7 sur 12. Il me restera encore demain. Je suis bien en doctrine abyssale. On est bon. Salut, Baston! Comment vas-tu? Teinture violette? Hein? Comment ça? Par contre, attends, parce que mes cheveux m'embêtent, là. Voilà. Comment ça, une teinture violette? Va mettre tes lunettes, hein. Elle va se faire une teinture violette. Mais quoi? Mais pourquoi vous vous mettez à deux à me dire ça? Tu pars sur code après, comme tous les lundis, Polo, ouais. T'as enfin tes DLC, Baston? Ça va, tu kiffes? J'espère que je vais trouver des gens qui vont jouer à cette heure-ci, par contre. Tout va bien, merci, Baston. Tout va bien. On est lundi, les gars. J'ai tellement peur, les gars. Excusez-moi, il y a Jérôme qui m'envoie. À mon avis, Jérôme est en fufu. Je suis sûre que Jérôme est en fufu parce qu'il m'envoie des messages.
Non. 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 Pas de soucis, Cetox. Du coup, Cetox, tu me diras, s'il te plaît, après, pour le trésor asséché, pourquoi est-ce qu'il est fort? Parce que je l'ai acheté, mais du coup, j'aimerais bien savoir. Bannière. Si les 20 000 bits du mois sont atteints, ça fait des mèches violettes. Non. Jamais. Vous êtes des malades. Hein. Vraiment, vous êtes des malades. Hein. Des malades. Non, merci. Je ne ferai... tant que je n'ai pas des vrais cheveux blancs, je ne ferai jamais de colo, de mèches, de tout ça. J'en ai jamais fait, je le ferai jamais. Grâce à ça, j'ai des beaux cheveux. C'est hors de question d'abîmer mes cheveux. J'y tiens trop. Jérôme y tient trop aussi. Donc non. Zone C capturée. Non plus, la frange non plus. Non. Je fais pas des colos, les gars. Je fais pas des colos, je fais pas des mèches. Non, c'est mort, ça. Ça abîme trop les cheveux. Je fais pas. Toutes celles qui ont fait, qui font des colos le regrettent et elles sont obligées d'en faire tout le temps maintenant. Moi, je veux pas tomber dans ce truc-là. Tu as de la chance de pas encore avoir des gris. J'ai des cheveux blancs, hein, par contre. L'adversaire s'est emparé de la zone A. Mais j'en ai beaucoup ici au-dessus, en fait. Mais ils se fondent dans la masse. Donc ça va. Vous avez capturé la zone B. Vous avez l'avantage de zone. Tu m'as trop pris pour une con, toi. Hein. Je vous mets que des têtes, les gars. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas faire quoi? On fera l'amour dans les nuages. Je commence à en avoir beaucoup, beaucoup. C'est l'âge. On vieillit. C'est vous. Bientôt vous serez à court, non. Sitôt que le jour se lève. Zone B perdue. Foiré. Bonjour Willow, comment vas-tu? Tu m'étonnes qu'il tient à tes cheveux. Si tu savais, Ultra. Oula. On ne vieillit pas, on mûrit. C'est beau ça, Olive. Ça, c'est la voix du sage. Du dégât en continu avec le mode de cette saison, tu appliques un buff. De quoi, Ghost? Ah, tu parles du trésor ici, asséché. Rien qu'ici, on récolte la moitié. Avec le mode de cette saison, tu appliques un buff. Il est bon, hein. Avec quel mode? Oh, carnage! Oh bah j'espère que ça va fonctionner, sinon ça va être l'occasion de modifier du coup. On va voir si ça se met à jour. Mec! Merci pour les 3250 bits! L'adversaire s'est emparé de la zone A. Merci Carnage! Insane! Oh les gars, j'espère... Oh si, ça s'est mis à jour! Wesh! Merci Carnage! Les premiers bits! Voilà l'équivalent en subgift du mois. Ah, mais parfait, ça. Bon, franchement, ouais, c'est pas mal, ça, Carnage. C'est pas une mauvaise idée. Au moins, on se rendra compte de si y a une diff. T'as raison de faire ça. Belle riposte. Merci, frérot. Maintenant, frappez-les à nouveau. C'est l'équivalent. Ça représente combien, en vrai? Parce que les bits ont augmenté, je crois, pour vous. Le prix des bits. T'as 3200 comme ça d'un coup, quoi. J'avais peur que mettre 20 000, c'était trop, mais j'ai l'impression que ça va, en vrai. En plus, n'oubliez pas, les gars, vous pouvez soit envoyer Vous pouvez soit envoyer les bits. Je crois qu'il y a une commande bits, d'ailleurs, où j'ai expliqué. Oh, oh, oh.
Comment ? Vous êtes pas obligé d'envoyer simplement vos beats, hein. Vous pouvez les envoyer en mettant des sons, des stickers. N'oubliez pas tout ça, les gars, sous le live, hein, dans la description. Il y a plusieurs choses. Hein. La chasse est terminée. On les avait stoppés en plein élan. Continuez comme ça. Il y a plusieurs choses. Hein. Zone C capturée. C'est soit vous envoyez vos beats simplement, ou alors vous pouvez envoyer des stickers, des sons. Voilà. L'adversaire s'est emparé de la zone B. Beats, y a pas ? Si, les commandes Beats vous propose. Ah non, c'est pas. Non, mais non, alors c'est pas bon. J'ai pas fait. Je dois la faire. J'ai oublié. Ou alors c'est dans la commande soutenir ? Je sais plus. Du coup, il va falloir changer le principe des roues des défis. Ouais, t'inquiète. Ça, je l'ai déjà retiré, ça, Franck. Il y a déjà plus dans les annonces, la roue des défis. On la faisait déjà plus. Faut que je trouve un autre concept. J'ai envie d'être original, donc je réfléchis. Zones sont à vous. Zone C perdue. J'ai pas envie d'avoir quelque chose que quelqu'un a déjà. L'adversaire s'est emparé de la zone C. Tu veux me tuer ? J'ai failli me tuer. Non. Bah, je vais le noter. C'est pas grave. Point d'exclamation beats. Modifier. Zone A capturée. Vous avez l'avantage de zone. Pour expliquer toutes les manières. Il me semble que je l'ai mis quelque part, mais je ne sais pas. Je l'ai noté, on verra bien, les gars. Je regarderai ça, d'accord ? Mais cet après-midi, j'ai du tournage à faire, donc tournage et montage. Je sais pas si je vais pouvoir le faire, mais vous inquiétez pas, de toute façon, c'est noté. Ça tombe, je vais le faire dans 2 jours, dans 3 heures, ou dans 6 mois, mais c'est noté, donc je le ferai, d'accord ? Il y a des choses... regardez, il y a 3 semaines d'ici, le truc que Susu m'avait dit il y a un mois, de mettre les partenaires sur Discord, là, de faire un channel partenaire sur Discord, il m'a fallu le temps, mais je l'ai fait. Il était noté, donc je l'ai fait. Oh, le petit Striker qui vient lâcher son Prime. Merci beaucoup, Striker. Comment ça va? Tu vas bien? Il reste mon petit Striker, je vais peut-être en plus avoir besoin de toi bientôt. Quand t'auras une petite dispo de la semaine pour se caler un petit vocal et tout. J'ai des petites questions à te poser. Si t'as le temps, on fera ça. Une nouvelle chasse commencera bientôt. Bonjour Fabinette, comment ça va? Vous avez capturé la zone C. Je passe juste faire un petit coucou au Recep, te dire que tes vidéos d'annonce de live, c'est banger sur banger. Merci Striker. Si vous savez pas de quoi parle Striker, les gars, j'ai mis une nouvelle variante. Une nouvelle variante de l'annonce du stream ce matin sur Instagram, en story. N'hésitez pas à aller checker. Pas de soucis, Striker, ça marche. Ça marche, ça marche. Gros bisous à toi. Ça marche, t'inquiète. Je te ferai un MP quand je serai moi dispo alors. Et je verrai si t'es dispo à ce moment-là, quoi. Ça marche. Oh, mais c'est bien. À toi aussi, Striker. Des bisous, bon courage. Bon courage, bon courage. Et de deux. Bien joué. Pour info, si certains ont besoin de faire de la grand maître sur D2, on fait de l'aide cet après-midi, donc n'hésitez pas. C'est presque fini. Moi peut-être, Willow, peut-être en faire un ou deux. Mais je l'ai déjà fait cette semaine, mais pour farmer un peu, pourquoi pas. Mais je sais pas si j'aurai le temps en vrai, je sais pas. J'ai tellement de choses à faire que... Ah putain, je sais pas. Je te ferai un DM si jamais, Willow. Je le note dans un coin de ma tête. Mais Vous avez l'avantage de... Je dis ça et je pense pas que je saurais. Hein. Je dois faire le
le montage télévis, je dois faire le montage randonnée, je dois faire... On a tourné 3 vidéos hier, les gars. J'ai 3 vidéos à faire. Alors, je suis pas obligée de les sortir tout de suite. La randonnée, oui, ça va être la première vidéo qu'il faut que je fasse parce que j'ai envie que ça suive. Le dimanche, on va en rando. Le dimanche soir, je vous mets un post photo. Mais dans la semaine, je vous mets un post vidéo, quoi. J'aimerais bien que ça suive toujours cette logique-là. Et donc, il faut absolument que je m'occupe. Que je m'occupe du montage de la randonnée, quoi. Merci beaucoup, Ultra. Merci pour les 31 mois, frérot. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ma souris a rendu l'âme. Merde ! Elle a plus de piles ou quoi ? Merde ! Non, mais voilà, il faut que... Ouf ! Il faut que je m'occupe de tout ça. Mais hier, oui, on a tourné 3 vidéos, en fait. C'est pour ça qu'on est rentré qu'à 16h. Parce qu'en fait, on a commencé à tourner 2 vidéos à la maison. On est parti en rando, j'ai continué à tourner une vidéo en rando, plus la vidéo rando. Enfin, j'avoue que j'ai eu des idées hier et Jérôme m'a bien aidé. Incroyable en vrai, on a tourné 3 vidéos, j'espère qu'elles rendront bien les 3, au moins ça fera du contenu. Mais voilà. Bon, je pense que je peux encore faire une game, hein, tranquillement. Ultra. Pas mal, pas mal. Pas mal, pas mal du tout. Oh là là, il y a tout le monde qui bosse là ce matin. Au taquet. Courage, hein, les gars. Courage à tous ceux qui bossent ce matin. Moi, ce sera tout à l'heure. J'ai une grosse journée qui m'attend. Et en plus, ce soir, on doit peut-être partir faire les derniers tournages en extérieur. Mais c'est seulement s'il y a du soleil. Parce que je sais que demain il y a du soleil, mais aujourd'hui je suis pas sûre. Dès qu'en fait il y a du soleil, on va aller à un coucher de soleil avec Jérôme pour faire les derniers plans pour la vidéo du Télévis. Parce que j'ai une annonce à vous faire très bientôt par rapport à ça. Et j'ai vraiment envie de faire une vidéo de qualité. Et comme je fais tout toute seule, enfin qu'on fait tout seul, genre il n'y a pas de monteur ou de... Il n'y a personne qui nous aide, quoi. Genre, c'est nous tout seuls, il faut qu'on fasse tout. Il faut qu'on fasse le tournage, le scénario, les voix off, le montage, la publication. Il faut qu'on fasse tout. Donc, il faut même qu'on pense même à la météo, quoi. Il faut qu'on réfléchisse à la météo et voilà. Zone B capturée. Vous avez l'avantage. Maintenez la pression. C'est du boulot, les gars, tout ça. C'est du boulot, les amis. Ah, de voir le rendu, tu le sais. Ouais, je sais, Ultra. Surtout que j'ai eu... j'ai traîné un peu sur les réseaux sociaux la semaine passée et j'ai vu une vidéo que j'avais envie de faire. L'adversaire s'est emparé de la zone B. Par contre, vous me faites penser à un truc. Continuez comme ça. À chaque fois que je vous parle, en fait, je pense à des trucs. Voilà. Hola, Noéri ! Comment vas-tu ? Steve... Tu te prends pour Steven Spielberg ? Ben, j'aimerais bien avoir son talent. J'aimerais bien, ce serait tellement plus facile en vrai. Zone B capturée. Vous avez l'avantage de zone. Ça va ma petite Noéri, tu vas bien? Vous êtes ma source d'inspiration, mais ouais, c'est un peu ça, hein.
C'est vrai que quand je tourne une vidéo, j'ai vraiment envie que ça vous plaise, donc j'essaie de penser un peu à tout le monde, hein, clairement. Oh. Comment ça, gris ? Gris ? Hein ? Ah, les cheveux gris. Ah oui, pour Steven, ok, ok. L'adversaire s'est emparé de la zone B. Chanson qui t'appelle. Oh, prends-moi la main, viens danser. Zone A perdue. Zone C. Ouais, ouais, c'est mon pote, ouais. C'est mon pote, c'est mon pote. De temps en temps, je l'appelle Monsieur Spielberg. Mais bon, ça, c'est genre quand on est en public. Tant musique. On a toute la nuit pour s'aimer. Bien danser. Ah, je suis tellement bien en ce moment, les gars. Je fais plein de choses que j'aime et tout, c'est trop bien. Mon état de bonheur en ce moment, il est incroyable. Oh, salut les gars, ça va? Viens danser. Oh. Depuis qu'on a commencé à faire les réels Instagram et tout, de manière un peu plus... du contenu un peu plus... des montages et tout... franchement, c'est du bonheur, les gars. C'est du bonheur, on aime trop. Surtout que dites-vous que j'ai au moins une fois par jour un message positif en rapport à ça. Et mon compte Instagram, je sais pas si vous avez regardé un peu les stats, mais les vidéos déjà fonctionnent super bien. Et les abonnés et tout, ça tourne, quoi. Choquée. Je suis choquée, donc c'est que du positif, quoi, les gars, c'est génial. Oh, les enfoirés. Oh, j'irai pas le tuer. Avec ma Nova, oui. Je re dans 30 minutes, pas de soucis, Susu. Que du bon, mais... Ultra, c'est genre, limite, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va nous arriver, mais genre le retour de bâton, là, tu vois, un peu. J'ai peur, en fait. Parce que j'ai encore un autre truc que là. Que les loups se reposent. Je pense que les modos... Il reste 5 minutes. J'espère. Une approche intéressante. Je vais peut-être vous annoncer encore un truc bientôt. Mais là, ça va être incroyable. Et s'il y a ça en plus qui se rajoute à cette année, c'est waouh. L'adversaire, j'y crois pas du tout. C'est un truc de fou. S'est emparé de la zone B. Je tease à mort là, mais c'est parce que genre si c'est vrai les gars, c'est encore mieux que le télévi, genre. C'est abusé. Aïe. Chut. Petit Oli, Lyon et deux vies. Let's go, Polo. Deux zones sont. Je vais me faire mon ice aussi, moi, pour après, là. Spielberg, comment tu l'as dit? Mort de rire. Bah oui, Spielberg. Moi, je dis ça comme ça. J'aime bien. C'est pas comme ça qu'on dit? Berg, peut-être. Aïe. Zone C perdu. C'est peut-être plus Berg. Oui, ça va, je dis rien. L'adversaire s'est emparé de la zone C. On est quand même tout juste, hein. On va peut-être pas gagner là. Hein. J'ai accentué le R, mais je suis une belge. On accentue toujours les R. Quand on dit merde, merde. Capturé la zone A. L'adversaire s'est emparé de la zone B. Ouais, les Belges, on a tendance à accentuer les R. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Ça fait partie de notre langage. Il reste 3 minutes. J'imagine. Maintenez la pression et vous l'emporterez. Oh
esquive. Elle était belle celle-là. Belle riposte. Maintenant, frappez-les à nouveau. Elle est où ta copine ? Dans mon dos. Oh, les salauds. Oh, bien joué, là, les 103 points, les gars. Vous avez presque gagné, mais ne lâchez rien. Car ils ne lâcheront rien non plus. La chasse est terminée. L'adversaire s'est emparé de la zone A. Vous avez capturé la zone B. Zone C capturée. J'arrive ! Maintenez la pression. Ah, dommage. Salut Zerdine. Toi aussi, merci. Je vais me faire 1h30 de voiture pour aller au taf. Oh là là, 1h30 de voiture, mais quoi? Mais merde. Putain. Comment commencer pire sa semaine, quoi? Oh, la couronne des tempêtes qui tombe. Excellent. Si la bannière de fer existe, c'est pour des victoires. Récupère un engramme de la bannière de fer auprès du seigneur Saladin. Ok. 1h30 de voiture, quoi, pour aller au taf. Mais du coup, tu fais la même chose, l'inverse, alors. J'arrive, Saladin. Sarrazin! Baby, are you down, 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 down? Le même périple le soir. Je t'encourage, hein. Oh là là, force, hein, grosse force, hein. Ah, Zerdine, t'as pris quelle taille? C'est toi qui, quand je parlais du S22 Ultra, c'est toi qui me parlais de la taille, je crois, t'avais peur et tout. T'as craqué pour le Ultra ou t'as pris le S23 petite taille? L'heure de la manière de faire a sonné. Que vous souhaitiez y prendre part ou non. Vous méritez ceci. Terminer des parties de bannière de fer en portant au moins une pièce de l'armure. Ah ouais, ok. Chaque pièce fait progresser plus vite, ok. Mais bon, je pense qu'on a plus le temps là. Hein. Le temps de changer de jeu et tout. Oh. Arrête de me donner des casques, putain. Putain de jeu. Les gars, on a bientôt fini le pass là. Bon, qu'est-ce qu'il m'a donné comme stats? Oh. Oh. Répugnant. Ça me répugne. Merde. C'est pas ouf, ça. C'est pas ouf du tout, ça. Oh, j'ai froid. Il t'a coûté que 30 euros, let's go. Trop bien. Le petit normal, ok. T'as pris avec abonnement et tout, hein, c'est ça. Hein. Mais vous savez, je vous avais dit qu'avec mon S22 Ultra, donc celui-là, il y avait en plus 200 euros de cashback. Et ben, on a déjà reçu nos 200 euros de cashback. Et j'avais acheté... c'est quand que j'ai acheté le téléphone? Début décembre, hein, c'est ça. Hein. Donc il a même pas fallu 2 mois pour recevoir le cashback. Parce que souvent, le cashback, ça prend... ils ont du mal à donner les 200 balles, quoi. Et ben là, j'ai reçu les 200 balles la semaine passée. Donc les gars, l'histoire de cashback et tout, renseignez-vous bien. Hein. En vrai, c'est le bon plan. Hein.
Quand il y a du cashback sur un téléphone ou quoi, qui vous disent cashback, n'ayez pas peur, hein. Nous, c'est la première fois qu'on l'a fait, et franchement, ben voilà, le téléphone, il nous revient à presque rien, finalement. Alors que c'est le Ultra, quoi, c'est le plus cher de la catégorie. Ultra, c'est juste meilleur, trop bien. Trop bien, trop bien. À toi aussi, Fabinette. Enfin, à toi, à vous, je sais pas trop. À toi, j'imagine. J'ai pas envie, je sais pas comment te dire. Parce qu'on est sur Twitch, donc en général, c'est tu, mais bon, je sais pas. Oli Energy, à quel goût, ma petite Zerdine? Avec Labo et Samsung, ils font une offre, ils reprennent mon ancien tel 350. C'était quoi ton ancien téléphone? Plus 150€ d'avenant pour me prendre une coque et tout, donc vraiment belle occasion, trop bien, hein. Lyon limonade ce matin, ok. Tu peux dire tu, ça marche, ok. Putain, excellent ça, Zerdine. T'avais le Z Flip 3, ok. Tu, c'est bien, à bientôt. Ça marche, Fabinette. Eh ben, passe une bonne journée alors. À bientôt, ouais, avec plaisir. Des bisous. Ouais, non, trop bien en vrai. L'occasion de ouf, Zerdine. Trop cool. Je conseille pas les pliants, mais ça m'étonne pas. Zerdine, c'est de la merde, hein. Ça m'étonne pas, franchement. Ça m'étonne pas. Franchement, ça m'étonne pas. Et par contre, celui qui sait se prendre le S22 Ultra, les gars, c'est banger, hein. C'est pas pour rien que c'est le meilleur téléphone de l'année 2022, hein. Depuis que je l'ai, n'importe quoi. Mais les S23, si vous savez vous les offrir, je crois qu'ils sont encore mieux. J'ai pas encore regardé des vidéos, j'ai mis des vidéos de côté dessus, mais j'ai pas encore regardé vraiment, donc voilà. Mais pour le moment, les S, ils sont bien. Le S22 Ultra et les nouveaux S23 sont ont l'air super cool, quoi. Bon. Tac. Je coupe le son du jeu. Le temps de lancer. Tac. Vous savez me remettre mes lampes, bande de petits filous, là. Merci. J'ai même pas allumé ça. Hop. J'hésitais avec le S23 Ultra, mais bon, j'aime bien la petite taille. Mais Zerdine, on avait discuté, toi et moi, hein, que j'hésitais à mort et tout. Meuf, je ne fais plus le retour en arrière. C'est mort. En fait, depuis que je fais les montages et tout, depuis que je fais de la photo, de la vidéo et tout, je peux plus descendre à une taille en dessous, en fait. C'est impossible. Impossible. T'as vu ça, Olive? Ravi que ça te plaise. Au fait, trop chouette ta story du jour, je crois. C'est ma préf sur toutes les autres pour l'annonce du live. Et c'est vrai? Ah! On ferait bien une fois, genre, quel est votre préféré? J'avoue. Mais de toute façon, je pense que je vais les poster... Je vais les poster petit à petit, genre en réel aussi. Limite, vous me donnerez votre avis là-bas, quoi. Voilà, si vous voulez. Mais sinon, ouais, j'aimerais bien savoir c'est quoi votre préféré. Je pense que vous avez vu... quelque chose que vous ne deviez pas voir. Quand je me suis penchée, non? C'est bon? Très jeune femme cochère.
T'avoue que t'as rien vu, parfait alors. Je vais me faire un petit pêche aujourd'hui. Hakuna Matata. Mais quelle phrase magnifique. Hakuna Matata. RAS, parfait. Ces mots signifient... Ah ouais, vous voyez tous mes post-it. Regardez l'état de mon bureau. Attendez, parce que quand il n'y en a plus, il y en a encore. Hein. C'est juste qu'ils sont cachés. Hein. Regardez. Il y en a encore là. Hein. Là. 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 Tout ça, là. Tout ça, tout ça. L'état. Ah, Noéry, je t'ai répondu hein, sur Discord. Je sais pas si t'es encore là. Mais moi, ouais, les AST, je mets des grosses cuillères, mais les énergies, non. Ça va, ma petite Noéry? Oui, tu m'as déjà dit ça va et toi, mais c'est plus je te repose la question, genre vraiment. Tu m'as l'air un peu bizarre. Hein. Dans le thé pêche nectarine, tu dirais des fruits. Attends, dans le thé pêche nectarine, tu dirais des deux fruits. C'est lequel qui ressort le plus? Mais en vrai, c'est un bon combo des deux, mais je pense que le pêche ressort plus. Les gars, qui peut confirmer dans le chat? Qui a un pêche à la maison? Je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir, je mettrai moins la prochaine fois. Avec l'énergie. Un peu de stress par rapport à ma story d'hier, mais ça va. Ah! Ah, ok. Ok. Bon. Courage, du coup. Ça va aller, ça va le faire. La cuillère iced tea est globalement plus grosse que les énergies de toute façon. T'es sûr? C'est pas que genre celle des énergies, elle est un peu plus large? Je crois que c'est les mêmes, non? Ça m'a rendu fou mal. En mode, j'avais bu deux monsters. Pourquoi tu l'as pas dit, Zerdine? Merde! Et du coup, maintenant, vous mettez moins, c'est ça? Je sais pas, j'avais l'impression qu'il y avait une différence de taille. Faudrait qu'on regarde une fois que j'ouvre les deux. On regardera, en vrai. Tac. Ok. Bon. Le problème, c'est que j'ai pas fait ma scène code. Donc on va se mettre là aujourd'hui, tant pis. Et au pire, on baissera un peu... le jeu du diable. Hein. C'est pas 7 grammes dans tous les cas, normalement. Les deux cuillères, tu veux dire? Ben, pour moi, oui. Mais je sais pas. J'avoue que je sais que les cuillères pour les iced tea, je mets une cuillère normale. Et la cuillère pour les énergies, je mets un petit peu moins. Mais j'ai jamais regardé au grammage et tout. Je sais qu'il faut mettre une cuillère, quoi, une scoop. Et enfin, la scoop est là, quoi, pour ça. Noéry, regarde-moi.
Regarde-moi bien. Tu y vas, tu souris, tu penses à moi et tout se passera bien. Et si t'as le moindre problème, tu me fais des stories, tu me fais des DM et on essaiera que le temps passe plus vite et que ça soit vite derrière toi. Non, non, pourquoi ? Après, j'ai fait clairement 42 kilos, donc le moindre excès de quelque chose me fout mal. Ouais ! Ah merde ! Mais maintenant que tu mets moins, c'est bon ? C'était un week-end où tu streamais pas. Ah mais je stream pas le week-end moi de toute façon. Mais faut pas hésiter, Zerdine, en DM à me le dire. Hein. Quand vous avez le moindre problème avec quelque chose... Parce que du coup, ça veut dire que tu ne consommes plus du tout d'énergie, Zerdine. Du coup, t'as arrêté les énergies ou... Parce que c'est hyper important à savoir, en vrai. Hein. Après, je l'ai dilué dans un verre, mon énergie, ça a été ok. Mais t'avais mis trop de poudre au départ, quoi. Donc ouais, hein. Essaye un peu moins, en vrai, je pense que ça ira. Hein. Ice tea ou énergie, je mets une cuillère complète, ok. Si, toujours, je mets moins et c'est good, ok. Mais vous voyez, tout ça, c'est important, quoi. Parce que du coup, nous, s'il y a des gens qui un jour viennent vers moi et ont un souci, bah, je peux, grâce à vos témoignages, bah, je peux les orienter correctement, les guider correctement, quoi. C'est cool. Mais Noiri, c'est marrant que ce soit comme ça, un lundi... J'y ai pensé aussi d'ailleurs. Enfin bref, faudrait peut-être que j'aille voir s'ils sont prêts. Shino est en attente. Ok. J'ai encore le temps de parler un peu avec vous, je pense. Je sais pas si c'est moi qu'ils attendent ou si c'est moi qui les attends ou j'en sais rien. Mais je crois qu'on s'attend. Ah, ça c'est... Ok, c'est pas ça alors. Ok. Attends, parce que du coup, moi, je croyais que c'était ça. Attends. Et du coup, c'est quoi? Je veux bien que tu fasses un DM, du coup, parce que soit j'ai raté un truc ou... J'ai peut-être pas vu la bonne story. Parce que moi, quand je regarde tes stories, là, à part ça, je sais pas. D'ailleurs, les gars, j'ai posté des photos hein, hier sur Instagram, si jamais vous avez pas vu, de la rando d'hier. D'ailleurs, apparemment, la photo avec le dessin vous a bien plu. C'est celle où j'ai eu le plus de DM. C'est cool. Re, c'est Tox. Ah, c'est ok. Donc oui, il me semblait bien que c'était par rapport à ça, d'accord, ok. Ok. Ça va. Ça te stresse, mais t'as le temps d'ici là d'attraper le Covid, de te casser une jambe, d'avoir une bonne excuse de... Voilà, de... Soit de ne pas pouvoir y aller, mince, ou... Tranquille. T'auras encore le temps de... En vrai, je rigole, mais t'auras encore le temps de stresser un peu avant, mais pas... Ne stresse pas déjà maintenant, hein, ma biche. Tranquille. Ne te mets pas dans le mal comme ça maintenant. Hein. T'imagines, là, ça va être long, alors, jusque-là. Hein. Tu vas vraiment te faire du mal. Hein. Avec le téléphone, Zerdine. Toutes les photos des posts Instagram sont prises avec mon téléphone.
Justement, on peut faire les deux. Pendant que Jérôme utilise l'appareil photo pour faire full plan, full vidéo, etc. Parce que c'était principalement pour ça. Moi, je fais les photos avec mon téléphone. Et comme ça, après, je n'ai plus qu'à vous les poster très vite. Aujourd'hui, c'est une journée globalement stressante pour tout le monde. Alors, moi aussi, j'ai un truc qui me prend la tête. Stressante pour moi aujourd'hui, non, mais très chargée. Mais stressante, non. Non. Voilà. Re-sissu. Noéry avait demandé le dosage. Ouais, je lui ai répondu sur Discord. Je lui ai répondu ce matin, je crois. J'avais pas vu le message hier, je lui ai répondu ce matin. Elle est trop belle, la musique, Zerdine. Nous ne dirons pas. C'est la maman de Jérôme qui me l'a fait découvrir, d'ailleurs, je crois. Voilà, voilà. J'ai l'impression de rater des messages, je remonte. J'ai vu tard le message. Non, ouais, t'inquiète, j'avais répondu ultra, ouais, t'inquiète. Et... Mais c'est ça que je disais, Zardine, c'est que depuis que j'ai le... En fait, je regrette pas du tout cet achat. C'est Jérôme qui m'a un peu forcé la main de prendre le S22 Ultra avec la promo qu'il y avait et tout à ce moment-là. J'avais un peu peur de la taille, franchement. Je me suis dit, mais ça va être galère et tout. Et en fait, meilleur achat, quoi. Parce que je fais tout, tout dessus. Les photos, les montages, je fais tout. Je fais tout. Et c'est trop bien. Franchement, c'est trop, trop bien. Puis même, pour le moment, je consomme beaucoup du YouTube. Parce que je me documente énormément pour la photo, la vidéo, etc. Et regarder des vidéos YouTube sur un écran plus grand, c'est trop bien, quoi. Donc voilà. Je vais la noter. Attends, je vais même la mettre dans ma playlist de voiture. Parce que non, je ne sais pas. Voilà. Voilà. La femme, tu dis? Ah ouais. Je vais l'ajouter à ma playlist de voiture. Voilà. Oh mais carnage! Mais non! Je vais devoir refaire des badges. Je vais devoir refaire des badges Beats. Il a dépassé. Mais non. Trop bien. Oui, pour ceux qui sont arrivés en retard, les gars, on va essayer de faire quelques mois de tests sans... Enfin, vous faites pas des sub-gifts. Si vous voulez soutenir la chaîne, les gars, dorénavant, c'est par les dons PayPal ou par les bits. On va faire un test plusieurs mois pour voir un peu... On va faire des calculs avec les modérateurs, etc. Mais voilà. Vous pouvez toujours prendre votre sub personnel pour avoir votre badge et vos émotes, etc. Mais tout ce qui est vraiment pour me soutenir, ce sera les bits et les dons. On va essayer. Juju. Oui, mais Noiri, attention. Hein. Moi, c'est uniquement pour essayer de t'aider que je dis tout ça. Après, si j'étais à ta place, je me chierais dessus. Hein. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce que je te dis « fais ça » que je le ferai pour moi. C'est plus que je peux pas te dire « bah oui, continue à stresser, meuf ». Ben non, moi, il faut que j'essaie de t'aider, tu vois. Mais je comprends totalement, hein. T'inquiète. Hein. Mais je comprends, en vrai. Mais focus-toi sur le premier truc. Ne te focus pas sur ça. Focus-toi sur le premier truc.
T'as largement de quoi faire de stresser avec le premier truc. Focus-toi là-dessus et l'autre, ce sera plus tard. Les photos, c'est pro incroyable. Mais pourtant, avec un appareil, enfin avec un téléphone, hein, Zerdine. C'est juste que j'aime bien faire les compos de photos et tout. Donc, mais même si je fais pas avec un appareil photo pro, rien que la composition de l'image, les couleurs, etc., la colorimétrie et tout, c'est ça fait un bon rendu, quoi. Pour le YouTube et tout, avec mon chéri, on s'est pris un iPad mini. Incroyable pour mettre les recettes, regarder des tutos ou quoi, trop bien. Et ouais, et alors vous avez un support pour la cuisine, c'est ça? Donc, ok, par contre, j'avoue que j'achète pas de bits ou que très rarement, en tant que viewer, je trouve que c'est tout sauf avantageux comme soutien. Mais sache que c'est plus avantageux que les subgifts, Zerdine. Donc, si t'achètes des subgifts, les bits sont plus avantageux, si jamais. Ça a été prouvé plus d'une fois, justement, par les streamers plus gros. D'ailleurs, ça m'étonne que tu dises ça. Parce qu'en fait, moi, j'en avais marre, c'est que, imaginons, voilà, tu fais 50 balles de subgift, tu crois me soutenir et m'aider, mais en fait, mais moi, dans ma poche, j'en ai quasiment rien du tout, quoi, sur les 50 balles que t'as investi, tu vois. Les bits, c'est un peu plus, c'est pas la totalité, hein, on s'entend bien, mais c'est un peu plus. Les subgifts, c'est la pire fraude de Twitch. Et de plus en plus de streamers en parlent parce que c'est horrible, en fait. Twitch, ils se font des couilles en or sur les subgifts. Et le streamer, dans sa poche, il a rien. Et le viewer, c'est lui qui se fait arnaquer le plus. C'est vous qui vous faites arnaquer le plus parce que vous pensez donner autant, mais en fait, non. Non, non, on ne reçoit pas votre argent, les gars. Non. C'est horrible. Et les dons, c'est encore le meilleur truc, parce que là, les dons, je reçois 90%, 90%. Mais le problème des dons, c'est que j'accepte que les dons de gens que je connais. Chaque chose en son temps, exactement, Neuri, petit à petit, t'inquiète. Un stress après l'autre, faut pas tout en même temps, mais Neuri, elle va devenir folle hein, si elle met tout en même temps. Parlant compo, merci. De quoi, Ultra? Ça l'est pourtant, mais ça reste ton choix. On est d'accord, Ultra, hein? Mais peut-être que Zerdine, elle le sait pas, hein? Je sais pas. Peut-être qu'elle pense... Je sais pas. C'est ça, prendre son sub personnel, vous pouvez le prendre. Parce que, au moins, vous avez vos badges, vos émotes, comme d'habitude, ça change rien. Mais le reste... C'est mieux des bits ou un don, quoi. Mais les subgifts, pendant quelques mois, on va faire des calculs avec les modérateurs, on va essayer que non. Tu as droit à tes petites émotes et tout. Je trouve ça fait plus plaisir aux viewers d'avoir cet accès. Ah oui, mais justement... Tu gardes ton propre sub, Zerdine, c'est ça qu'on dit en fait. C'est ça que j'explique, je vous conseille de garder votre sub. Donc pour avoir tes émotes et tout. Pour me soutenir vraiment, par exemple, toi, t'as ton sub et en plus tu veux me soutenir, en plus de ton sub, je te déconseille maintenant, si tu veux vraiment que l'argent que tu veux me donner me revienne au maximum. Moi, je te conseille de c'est juste un conseil, hein. Je te conseille de ne plus me donner de subgift. Je te conseille de me donner des bits ou des dons. C'est tout. En plus, avec les bits, t'as quand même des badges et des émotes, hein, si jamais. Moi, à terme, dans quelques mois, si je vois que ça prend bien et tout, il suffit que les émotes, qu'il y ait quelques émotes phares des subgifts.
enfin des subs, je peux les mettre en bits. Hein. Tu as des badges et des emotes en bits aussi. Hein. C'est juste que t'en as un peu moins, mais tu en as aussi. Par palier de bits que tu envoies. Après, je comprends ton point de vue, hein. Dans le sens que ça fait plaisir à des gens qui savent pas se sub et tout. Mais à ce moment-là, à la limite, au lieu d'offrir, je vais dire, 10 subs random à des gens qu'ils en ont sûrement rien à foutre, si t'as vraiment envie de faire plaisir à quelqu'un qui vient régulièrement mais qui sait pas se sub, alors tu n'offres qu'un seul sub à cette personne-là, tu vois. Et donc, peut-être qu'au total, sur un mois, tu vas offrir 5 subs, mais vraiment à des gens que t'avais envie d'offrir un sub. Mais tu vas pas en offrir 30 de manière totalement random. Pour offrir 30 de manière totalement random à des gens qui viennent même pas sur le stream, autant que tu me soutiennes en m'envoyant des dons ou des bits. Tu vois ce que je veux dire? Mais si vraiment t'as envie d'offrir un sub à quelqu'un qui vient tout le temps mais qui sait pas se sub tout seul, alors là, oui, je suis totalement d'accord avec toi. Mais si tu viens, tu dis « Ouais, Lulu, moi ce mois-ci, je t'offre 30 subs. » Mais dans les 30 subs, t'as 20 random qui viennent jamais et que tu voulais me faire plaisir à moi... Il y a d'autres manières, tu vois. C'est ça que je veux dire. Petit à petit, je vais essayer de vous faire changer, quoi. D'aller plus vers... Celui qui a envie de faire des subgifts, il fait des subgifts, mais je vais essayer de plus en plus de vous envoyer vers les dons ou les bits. Et on va faire des essais. On va faire des essais. Parce que moi, je sais que vous êtes beaucoup à vouloir me soutenir, à développer mon contenu, etc. Mais que... Mais l'argent que vous me donnez, en fait, j'en vois pas beaucoup la couleur, quoi. Et donc, c'est hyper dommage, quoi. Parce que vous pensez me donner autant, mais moi, je reçois pas ça, en fait. C'est frustrant. Pour vous, c'est frustrant pour moi. Finalement, on n'a pas envie de faire gagner de l'argent plus que ça à Twitch, quoi. Oui, c'est la plateforme et tout. Oui, les serveurs, ça coûte cher, etc. Mais bah, ils prennent déjà pas mal, hein. Autant qu'on puisse gagner un peu plus quand même, nous, quoi. Finalement, le contenu, c'est nous qui le créons. Je pense. Je suppose que Twitch ne donne pas la possibilité de bloquer le fait d'offrir des subs. Je ne sais pas, Noéri. Je sais pas. J'ai pas envie de bloquer non plus, parce que ça, c'est un peu... je force les gens, ça, je veux pas. Mais je sais pas si c'est possible de bloquer ou pas, Noéri. Je comprends, ok. Juste, je disais que quand j'offre un sub, je sais que je vais te soutenir. Moi, du coup, je savais pas, j'avoue. Pas de soucis. Et aussi, faire plaisir à quelqu'un qui aura aussi... Ouais, mais c'est le principe du sub-gift, hein, Zerdine. C'est tu fais plaisir à ton streamer, tu fais plaisir à quelqu'un de la commu. T'es contente, quoi. T'as fait plaisir à deux personnes en une action, on va dire. Mais oui, on reçoit de moins en moins, en fait. D'année en année, c'est horrible. Voilà. Juste, ça me troue le popo de regarder 25 euros les 1500 bits. Je trouve que c'est pas beaucoup. Je me rends pas compte entre 10 subs et 1500 bits, lequel vaut le coup. Mais pour le streamer, les bits. Après, les bits ont été un peu augmentés, hein. C'est Susu qui m'avait donné une info à ce sujet. Je crois qu'ils sont passés à... C'était pour les 100 bits, hein. C'était de 2,41 à 2,71, un truc comme ça, je crois, de mémoire. Donc ça a été un peu augmenté aussi, mais c'est toujours plus avantageux, de toute façon. Bonjour Gilou, sois le bienvenu. Je suis plusieurs streams, et les trois quarts font comme toi, avec les subgifts, et il y en a plusieurs qui réfléchissent à quitter Twitch. Oui, les personnes qui réfléchissent à quitter Twitch, c'est plus des gens, je pense, qui sont devenus des streamers à temps plein, je crois, et qui en ont fait leur travail, enfin leur revenu principal. Moi, c'est pas mon cas, Gilou, donc quitter Twitch, non. Mais ce qui me frustre, en fait, c'est que les gens pensent me donner... Par exemple, imaginons sur un mois, en tout et pour tout, la commu pense me donner 800 euros dans ma poche, grâce à tout leur soutien, toutes leurs actions et tout. Et en fait, j'en reçois la moitié dans ma poche, quoi. Même pas. Et je trouve ça ouf, en vrai. Donc j'essaie de réfléchir à des petits changements, des petits ajustements, en fait, pour que tout le monde y trouve son compte, quoi. Que vous, vraiment, l'argent que vous avez envie de m'envoyer chaque mois, ben, je le reçoive à peu près
vraiment dans ma poche et que moi, je me développe encore plus vite, quoi. Ah ouais, tu t'y prennes encore plus qu'avant, Zerdine. Salut Nico Franc. Ce choc de tomber sur une pub de mon employeur, c'est qui, Nico? Mais non. La coïncidence folle. Je vais me renseigner alors. Peut-être migrer sur de la chabite. Merci de l'info. Pas de soucis, Zerdine. Pas de soucis. Mais oui, renseigne-toi. Hein, et si tu as des infos, si tu trouves des infos un peu plus poussées, n'hésite pas à nous en faire part sur Discord ou m'en faire part en MP. Et voilà. Parce qu'il y a peut-être des infos que qui viennent d'être mises à jour, par exemple, fin d'année passée ou début de cette année, que je ne suis pas encore au courant. Ou voilà, mais... En tout cas, il y a énormément de streamers qui font le move, qui, eux, carrément, ne font même plus de subs ni de bits. Ils fonctionnent que par les dons PayPal, mais moi, ça, j'ai pas trop envie. Parce que je sais qu'il y a des gens qui ne font pas de dons PayPal parce qu'ils ne veulent pas afficher leur nom et leur prénom. Donc voilà. Mais je pense que les bits, ça peut être une bonne alternative, plus votre sub individuel à chacun, quoi. Voilà. Salut Nico, tu vas bien? Toujours pas reçu ta commande au lit, mon petit Nico? J'espère qu'en tout cas, on t'a fait plaisir à répondre autant sur le Discord. Les streamers, quand tu regardes, c'est le même que des Uber, en vrai. Du quoi, Polo? ING, c'est vrai? Tu travailles chez ING? Salut Charms, ça va et toi? Tu vas bien? Pas de soucis, Nougat, y repose-toi bien. Gros bisous à toi, bonne journée. Wanna knock to you, oh yeah. Grosse force, courage à toi. De reprendre la route. Je vous souhaite un bon live et une bonne journée à vous. À demain. Des bisous, bisous mon petit Olive. À demain aussi, bisous, bisous Olive. Bonne route, sois prudent. J'attends toujours, mais oui, ça fait grave plaisir d'avoir du monde qui donne son avis honnête. Donc j'ai hâte de tester tout ça. Trop bien, Nico. Trop bien, trop bien. Bon les amis, je vois que la salle d'attente se vide. Il est donc temps pour moi de m'y mettre. Et d'aller rejoindre les copains. Furtof. Ah, je vais renommer. Attends, cette classe, on va la rename. On va pas l'appeler Furtof. Hola. Bonjour. Hola, hola. Comment ça va? Ça va et vous? Ça va, tranquille, hein? J'attendais que vous vous mettiez en... Bah, que le salon, attente de move se vide, hein, pour être sûr de pas arriver trop vite. Ah, let's go, let's go. Voilà, je mais suis on là. A fait une première game, petite game de chauffe, là. En vrai, c'est bien passé, hein. Les lobbies ont l'air bons. Ah, bah, je voyais Chino en attente de move, alors je me dis je vais attendre, et voilà. Alors, ma petite... Ça va, quoi? Passé un bon week-end, Lulu? Oui, hein, et vous? Ça a été votre week-end? Ouais, franchement, c'est passé vite, c'était un très beau week-end. Oh ouais, ouais, tranquille, hier j'ai été au resto, moi. Je fais un petit resto en famille. Oh. Ça me fait plaisir. Très très bon, ça. Ouais, ouais, très chargé en boulot, mais très bon. Il est passé très vite ce week-end, par contre. Ah ouais, franchement, il passe trop vite. Mais nous, on est en plein déménagement en carton et tout. C'est... Aïe, 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 aïe. Je rajoute le gaming et j'ai ça vu passe ça tellement vite. J'ai trop vu, bien. J'ai vu. Entre ça, le gaming et... Ouais, ça doit être crevant aussi. J'attends ma commande au lit aussi, deux iced tea normaux et deux à la pomme. T'as fait une commande, Charme, c'est vrai? Mercredi, je sais plus. Ouais, j'ai mais en vrai, moi, je sais même pas si je vais le prendre, parce que 70 balles pour un juste l'œuf, voilà, ça me trouve un peu le cul. J'ai pas entendu la question. Oui, je disais, il y a Harry Potter qui sort bientôt. Ouais, 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 mais je l'ai pris en accès anticipé. Mardi soir, je peux le télécharger. Ouais. Oh, j'ai trop hâte de voir ça. Ouais, trop hâte aussi, trop trop hâte. Ça va être trop bien. Je vais me poser. Franchement, Squarry, j'espère que tu stream les soirs. Que ah, je vois un peu j'ai pas le jeu. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que tu devais l'avoir. Bon, bah, j'attendrai. Mais tu stream. Ah, je savais pas, Charms.
Le matin, moi. Le matin? Ah ouais. Bah après, je vais sûrement faire un peu l'après-midi aussi, hein, parce que c'est une sortie de jeu et tout ça, mais le soir, c'est impossible, je travaille, donc... Ok. Ouais. Ah, tu travailles le soir, Lulu? Ah bah, j'ai pas le choix, hein. Parce que le ça matin, je stream, donc l'après-midi et le soir, c'est boulot, hein. Ok. C'est des chiffres, c'est ça, tu travailles dans les chiffres? Compta, moi, ouais. Bah, compta. Je suis indépendante avec Jérôme, hein, et donc je m'occupe de la paperasse, mais je fais tout ce qui est compta, moi, beaucoup. Ok. Voilà. Ouais. Pas le choix. Quelle boule. Bah après, si elle aime bien la compta, ça va. Ah oui, ouais, oui, j'aime bien. Genre, si ça lui fait pas mal au crâne comme moi, ça doit être tranquille. Hein. Oh, si moi, je peux pas, moi. Ça, non, mais j'en avais fait en cours. Putain, j'avais pas aimé. Hein. Oh, j'avais pas aimé la compta. Non, c'est cool. Non, parce qu'en fait, la compta, tu te trompes une ligne, il faut tout recommencer. Ah oui. Ah bah oui, hein. Ah bah c'est ça, en fait. C'est bien. Ouais, au début, c'était horrible. Hein. Je perdais du temps à mort. Ah mais c'est ça, moi j'avais des devoirs, je voulais les recommencer. Oh. Un enfer. Après, indispensable la compta, hein, très indispensable dans une entreprise. Ah oui. Je savais pas que tu travaillais les soirs. Ça m'a choqué. Ah bah si, parce que vu que je stream le matin, bah, je combine les deux quoi. Et donc mon rythme de stream le matin, j'ai envie de le garder, donc bah, je décale juste ma journée, au lieu de travailler le matin, bah, je décale ouais, quoi. Ouais, tu fais ça le soir, ok. Fin d'après-midi, soir, je travaille... Enfin, GG, de toute façon, il a toujours ses devis et ses factures à faire, donc... Après, streamer le matin, meilleur créneau, hein. Ah bah, moi j'aime bien en tout cas, ça me réveille, ça commence bien ma journée. Ouais. Moi, je pourrais pas me passer de ce créneau, franchement, ça me fait chier. Pareil. Oh, je comprends. Je sais pas, c'est les bonnes habitudes, tu te lèves, tu fais tes petits trucs, et puis tu sais que tu passes une bonne journée après. Après, parfois, bah, comme lundi passé, bah, quand j'ai du retard, bah, je travaille le matin et puis je décale le stream, mais bon, j'essaye que non, quoi. Mais ça arrive. On va où, les gars, les filles? Oh, je vous suis, moi, les gars. Hydro, ouais, vas-y, go. Je vais aller à ma petite cachette dans la forêt là-bas et j'arrive. Souvent, il y a des drones là-bas. T'as banni qui à Ultra? Je savais pas, Charles, parce que t'avais passé une commande. J'ai un indésirable en MP, je donne le. Ah oui, t'as fait, ok. J'aurais voulu me faire un holy, pas de soucis, Carnage. C'était quoi le MP? Ouais, vas-y, ok, vas-y. Tu m'as snap, ok. Mardi, je le fume le jeu. Par contre, sur Steam, ça me dit que je peux. Le DL que le dit, ça me fait peur. Apparemment, on pourra le DL que mardi 19h, Zerdine. Il sort sur console. Ouais, malheureusement. Il sort sur console mardi à minuit. Et mardi à 19h, c'est sur PC. Et on peut le télécharger que mardi à 19h. Oli Vanny, incroyable le MP. Ah ouais? Oli Vanny, tu me diras, normalement, t'as un tout petit peu de vanille. Genre, c'est subtil, la vanille. Tu me diras ce que t'en penses. Trois mecs, c'est pas si réservé chez toi. Tu me diras ce que t'en penses, Carnage, mais ouais, la vanille est subtile, c'est trop bon. Ouais. Bon, ouh, la fatigue. Ah, par contre, les gars, j'ai chaque fois l'impression de redécouvrir le jeu, quoi. T'inquiète, ça n'a pas changé. Quand tu vas tomber sur un RPK et une fenêtre, tu vas savoir pourquoi t'es venu. Ah, c'est toujours la même chose. Ah bah oui, c'est toujours la même chose, ça a toujours pas changé. Oh my god. La méta, ouais, je dirais Akimbo, Fennec, ouais, batteuse. Les Akimbo. Ouais. Mais t'as aussi beaucoup de snipers Signal 50, je crois. Ouais. Ouais, le Signal 50. S'il est énormément cheaté, lui. Ah bah je ne savais plus mon petit charme ça. Est-ce que tu nous l'avais dit déjà ou pas? Ou t'as fait la commande comme ça en fufu sans nous le dire? Trop bien en vrai, merci beaucoup hein. Merci Charms, j'espère que ça te plaira. Et vivement que tu reçoives ta commande. T'es sur Discord ou pas Charms? Sinon tu nous tiens au courant sur Discord hein. Vous pouvez lâcher mes thunes si vous voulez vos armes. N'empêche que Warzone 2, tu vois j'adore. Ouais j'arrive à Squaring. Ceux qui sont en vocal. Mais je crois que c'est le jeu sur lequel j'ai le plus ragé. Pourtant je l'aime trop, c'est trop bizarre. C'est particulier hein, ce jeu quand même. C'est la première fois que je rage souvent, enfin que je suis souvent en mode énervé. Tu vois ce que je veux dire Lulu? Je comprends. Alors qu'avant... C'est sur le shop si j'aime. Ah. J'arrive. Pourtant je l'aime trop, mais j'ai tellement ragé dans ce jeu.
C'est un vrai travail mental en vrai. Hein. C'est particulier, ouais. RPK. Mais en fufu sans nous le dire quoi, Charm, c'est ça que je voulais dire. Il est super bon, tous les goûts sont bons, aucun m'a déplu. Pareil, à part dans les énergies, j'en ai un ou deux que j'ai pas aimé quoi, mais voilà. Zerdine, du coup, tu m'as posé quoi comme question ? Ah oui, oui, par rapport à la... à quand est-ce qu'on peut jouer sur PC et console, oui, voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà, ma belle. Oui, je l'ai fait en fufu, en chmette, voilà, parfait. Non, mais c'est trop bien, merci à toi, Charms. Les coffres, là. J'espère que ça te plaira. Vas-y, je m'en occupe. Ah, il est où ? Ah, il est là. Oh, le masque durable. Boum ! Il y a une autre sacoche là, mon point, je l'aime. Oh, j'en ai déjà une, ça va, moi. Un masque. J'ai toujours pas de sacoche, hein, moi, si jamais vous en trouvez une. Il y en a une au-dessus, à l'étage. Chez moi. Ok, j'arrive. Voilà. Excusez-moi, je suis vraiment pas plus habitué à jouer à ce jeu, les gars. Oui, oui. Parfois, vous allez me répéter 36 fois la même chose, mais... Ok. Ce n'est plus les mêmes réflexes qu'avant, du tout. Il y en a un temps, fait pas. Pas moi, je viens vous ramener des sous. Moi. Moi, il me manque une arme à prendre, mais... Je vous ramène 4000. J'en ai aucune des deux, moi. Il y a deux sacs, deux sacs d'argent, si jamais, sur le... Vas-y. Faut vite se dépêcher parce que ça dépop ouais. Très vite. Alors, hop. Celle-là, viens avec moi. Et celle-là, viens avec moi. Hop, voilà. Je vais finir ce contrat. Je peux déposer ma thune aussi. Hein. Bon, on a tous nos armes. Non. Bah, moi pas, du coup. Je veux bien. Je vous ai mis 4000. Ouais, j'arrive. En vrai. Nickel. Attends, je vais lui prendre un peu où ça dépend. Je suis là. Ah, t'es là, pardon. Merci. Je la vois partout. Ma thune. Personne, en vrai. Ah, c'est un mec dans le patelin. Mais... Bah, vas-y, je vais prendre la prime, moi, en attendant. Oh, j'ai 7004, what? Yeah. Ah, tu m'as donné tout, en fait. Ah, je t'ai tout donné. Ah ouais. Je te les rends, si tu veux. Rends-moi les en top. C'est pote qui est là. Ça marche. Sa team est en train d'arriver, ils rejoignent. Ouais. Ah, merde. Vas-y, je viens sur vous. Salut, Pop Sandwich, tu vas bien? Bonjour. Pareil, en énergie, j'ai juste pas aimé Tigre, Anana et Ours Coconut, sinon... Ben, moi aussi, Zerdine, hein, tout pareil. Tout pareil que toi, meuf. Mais en vrai, le tropical, ça va. Vrai que je le regoute. Est-ce que vous voulez que j'enlève mon ping ou pas? Vrai que je le regoute, le tropical. Mais le coconut... Bah, c'était pas ce mec, du coup, c'est... Pas et en plus, le gars que je vais te tuer, c'était un bot. Et j'ai des gens sur moi, du coup, moi. Hop. Ouais, je suis là. Ça a sauté, ça rentre dans le bâtiment, ici. Ouais, c'est... Damn. Damn, il est monté. Attention. Crac, à droite dans le bat. Lui saute au réa. Lui aussi. Il y a pas de mob pour l'instant. Bah, ils sont morts ici, mais les... je crois que c'était les deux qui étaient là. Ah, ils étaient en train de saute au réa. Je vais prendre ça, hop. On va claquer direct. Personne. Il y en a un en face là-bas. Ouais. Il y en a un mec qui est sur la colline qui a lâché la voiture. Ouais. Ah oui, Lulu, hier, ouais. Vieux con, il a fait son record de kills sur un top 1. C'est vrai, GG ça. Ah ouais, bon, il est venu en matinale, il a fait une 15 kills. Oh. Il a fait un clutch 1v4. Oh. Et dans la même game, on a eu un fou rire énorme parce que je l'ai appelé vieux ton. Oh, vieux. Mais oh, mais c'est très révélateur tout ça, hein. Vieux con, vieux ton. Qui fait top 1 en plus 15 kills. Voiture là? Non, mais bien joué, vieux ton. Hein. Je suis désolée. Je te jure, on est. Ah, mais je vais l'appeler comme ça, c'est très très bon. Je préfère limite le vieux ton au vieux con donc. Mais c'était trop bien, je te jure. Un top 1 avec son record de kill. Ah, c'est génial. Un V4. GG. Ah ouais.
c'est quoi les balles que tu tirais là, Squarry, ce caca? Autoréa, les copains. Il y a un hélico. Une Autoréa pour Spicy ou Squarry, j'ai ping. Y'a même personne chez moi là, je comprends pas, y'avait du monde. Ah, mais ils sont partis en hélico. Ah, ok. Ah, ouais, ils sont ah bah y'a du monde là. Moi aussi, Tropical, ça va, mais à pas acheter le gros pot pour autant. Ah, mais putain, Zerdine, on a les mêmes goûts, meuf, c'est trop. On a les mêmes goûts, meuf. Par contre, fais une commande en mix match. C'est. Par contre, faire une commande en mix match, c'est plus avantageux. C'est-à-dire, Charms, j'ai pas compris. En 4, y a deux mecs là. Plus avantageux, pourquoi? Et que veux-tu une commande de Mich mix match? Mais la zone, putain, chier. Ah ouais, Zerdine, j'ai pas compris. J'ai pas compris, j'ai pas compris. Attends, tu tires sur quoi là? Ah, il y a une balle. Il a pris la tiro ici en face de moi. Il est monté en haut, il était one. Et son pote était toujours en dessous. Ah, je vois, ils sont là. Ils sont là. Touché à la tiro. Un mec là. À terre, à terre, à terre. Ah, j'entends tout dans son micro, le pote là. C'est une leurre ça, le gars qui se bloque là. Ouais, c'est une leurre. Ouais. C'est quoi ça? Ah, ils sont à gauche sur la colline. Hein. Ah, mais c'est une leur snipe! Oui, c'est une leur. Je savais même pas que c'était. Y'a un mec au top, sur la colline. Paralysé au-dessus, juste au-dessus, quoi, la tiro. Il est tombé, hein. What? Ouais, il était 3 ici, hein, par contre. Hein. Ça, j'ai de la frappe sur moi, je peux pas sortir, les gars. Ils sont dans la cave, hein. Ouais, je suis pas mieux, y'a la frappe. Ouais, pareil, je peux pas non plus. Y'a la zone qui arrive, hein, faites gaffe à vous. Putain, 10 ans la frappe, c'est bon? Je vois personne, moi. Bonjour, j'aime, merci pour le follow. Moi, je vois plus personne non plus, hein. Bah, je sais pas, ils sont passés. Ouais, à mon avis, avec la frappe, ils ont profité pour partir, hein. C'est pas possible. Y'a un colis là, je sais jamais. Ouais, je vais le prendre. Moi aussi. Y'a la zone aussi qui arrive. Moi je pense que les deux gars ils sont vraiment en dessous de nous et qu'ils vont attendre, non? Ça a rien aimé sur le jeu. Ils sont ici en dessous. Puis tu ajoutes du goût, plus tu les as moins chers. Tu crées ton pack toi-même en gros. Je connais pas du tout Charms. Je connais pas ce système, c'est quoi? Mix match, tu as des réducts, puis tu achètes des pots. Plus tu achètes des pots, plus tu as des réducts. Durable, c'est pour ça que ah ouais? Je connais pas les gars. Ils sont deux, ils vont arriver en face de vous, les gars. Je connais pas du tout les gars. Moi. Ah, il c'est pas ici, le mec il est où là? Ah, il est là. Il est crack. Nice, bien joué. Il est un mec par là. T'inquiète. Bien joué. Crack. J'avais crack des fois, mais c'est replaqué. Ouais, pareil, j'avais crack aussi. Là, ça se para. Je le touche pas, c'est pas normal. De violer 3 fois. T'inquiète, j'ai fait la même avec mon arme. Bon, je tirais dessus, il prenait pas. Je vois pas. On en parle après la game, les gars, parce que ça m'intéresse de ouf en vrai. À terre. Y'a son collègue juste à côté. À côté? Ah ouais? Ouais. Mort. Jeu. Équipe wipe. Y'a quelqu'un? Autoréa et Masque est encore sur moi, si jamais. C'est sûrement notre co, hein, Squarry. Hein. Parce que moi, ça m'arrive souvent, vraiment. Oh, avec les latences et tout. T'inquiète pas, ici, ça m'arrive aussi, moi. Tu tires c'est sur le gars, il prend pas. Oui, mais je dis ça à Squarry. C'est. Voir c'est le jeu. Ouais, on en parlera après, les gars, parce que ça m'intéresse ce que vous dites là. Ouais. La latence entre les serveurs. Jamais. Mais les gars, mais Oli, ils m'ont même pas parlé de leur truc mix match là. Moi, j'aurais pu vous en parler de ouf, mais je connais même pas. C'est vous, genre viewer, qui allez m'apprendre mon partenaire, c'est ouf en vrai. Ah, c'est trop bien. Merci Charms. Ah, c'est génial. Mais en fait, moi, c'est parce que je connais pas, parce que j'ai pas besoin de commander moi, parce que Oli, il m'envoie mes produits. Un départ de voiture, donc j'ai pas besoin de regarder au site en fait. Mais je connais même pas ça, quoi. Or que je pourrais vous en parler en fait. Travail d'équipe. Ouais, mais c'est trop bien. Merci les gars. On en parlera après, j'irai découvrir ça. Trop bien. Mais j'avais pas. En fait, comme je connais pas le terme Zerdine, j'avais pas compris. Moi, pour moi, je me suis dit, bah ouais, elle a pris un truc qui s'appelle mix match. Enfin, j'ai pas capté en fait. Je suis désolée, ma biche. Vraiment.
J'ai pris 2 énergies, 1 ici en mix match. Tu peux avoir un shaker offert avec ton code plus. Mais comment vous avez découvert ça, de vous-même ou genre ils vous le proposent au lit quand vous faites des achats genre? Que genre j'imagine que quand vous faites vos achats ils vous proposent ça au lit eux-mêmes, hein, non? Thank you. What? Et on... Ah non, il est au goulag. J'allais dire on aurait pu rien. Vous avez pas une frappe? Et très bien informé lui aussi. Hein. Non, non, mais lui ça cheat, Squarry. Là, là pour moi, il y a un truc qui va pas. Comment il nous touche à travers tout ça? Il est où? Comment il nous a vu déjà à mon ping rouge? Sur le toit, sur le toit. Ah, il me snipe. Il y en a plus à droite. Non, les gars, ça cheat. Eh, non. Faites un clip, s'il te plaît, Demon. Moi, je descends, comme ça, ils ne pourront plus me toucher. Venez ici, les gars, venez ici. Ouais, 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 ouais. Squarry, il est suspect. Y'a un mec devant nous là, ouais. Putain, j'en ai jamais des. Véhicule kill Jane. Noc. À ma droite, ça m'a visé. Noc dans le patelin du coup. Enfin, dans mais le oui, temps. C'est eux. C'est y a eux, c'est space eux. Ici. Y'a plusieurs personnes ici dans le patelin. Là. Ah là là. Les gars. Fais gaffe, hein, y'a ceux aussi qui sont ici dans les tentes, hein, c'est pas ici. Y'a Noc ici chez moi. Y'en a un qui vous push là. Deuxième Noc. Crac. Mais je vais chez moi du coup. C'est ça? Vers mon point, vers le mur, y'a au moins un mec. C'est eux les cheaters là? Crac, je sais pas. Sur le toit, non? De me play, puis c'est moins instable. Ils sont. Il y a deux teams, je crois. Soit deux non, teams, mais ça cheat, les gars. Cherchez même pas, hein. Le mec du bas, il cheat. Je suis allé hein. Vérifier. Si. Tu peux clipper. Attends, quoi? Ouais, j'essaie de me sniper. Alors, quoi, mec? On m'a pas vu du tout. C'est une blague, au fait. Là, ça donne vraiment plus envie de venir du tout sur ce jeu. Noc. Ouais, t'as entendu Shino, t'as entendu hein? Okay, oui. À notre gauche. Ça m'a visé, mais c'est peut-être les autres mecs plus loin. Ouais, c'est les autres mecs plus loin à mon avis. Là. Ouais. C'est 100%, oui, hein. Mais attends, parce qu'on a une grenade ici. Je craque le mec qui snipe, mais. Ok. Contact à nous, on a eu une. Ouais, une sensor, merci. Ouais, je vais essayer d'arriver. Je l'entends, ouais. Et quand je suis ici, Shino. J'entends le mec parler. Il doit être là au-dessus, c'est 100% sûr, ça doit nous attendre. Hein. Trop bien. J'ai une smoke. Hein. Mec, tu sais, on n'est pas obligé de les jouer, tous ces mecs-là. Hein. On peut se barrer. Hein. Ouais, en vrai, viens, on se casse. Hein. Il y avait le loadout quelque part ici dans la forêt, quelque part là. Ok. Il est mort, le teaser, ou pas? Non, j'en ai salut Chris, tu vas bien? Celui du bat, bien évidemment, il meurt pas. Ah, il meurt pas. Il a, tu fouilles, c'est un onglet. Mais de vous-même, genre, vous êtes allé voir ça, quoi. Vous avez découvert ça vous-même, genre, le chat. J'ai une boîte de plates. Ok, mais c'est super, ça, en vrai. Mais tout le monde n'a pas ça, quoi. Le loadout, il est là au plein milieu. Ouais, il y a un loadout juste là. Ça va, Chris, merci. De moi-même, perso, ok. Dans l'onglet principal, c'est le seul pack où tu peux choisir tes goûts, en vrai. Donc c'est assez intuitif d'aller là, ok. Oh, je suis un connard, j'ai pas pris la bonne classe. Putain. Tiens, V2 ou pompe là? Pam 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 pam. Ah, s'il y avait eu... Enfin, j'aurais dû aller au shop chercher un drone, moi. Dégoût. Pas réanimé là-bas. Ah, mais t'as bien raison, ouais, Charms. Hein. Chaque euro gagné, c'est une économie, hein, mon cher Charms. Ça a raterri sur eux. Oh, y'a Max chez moi. Tu as bien raison, hein. Et grâce à ça, Charms, on a peut-être besoin de vous. Bah, tu t'économises, quoi. C'est pas grave. Mais ça spawn à l'autre colis. T'as une sacoche pour moi ou pas? Pas sur moi, non. Non, mais on va t'en acheter une, hein. Bah, tu peux même t'en prendre une, Spacey, dans la. Y'en a une dans le shop. Y'a plus de drone, par contre. Y'a plus de drone? Ok. On peut même pas prendre de frappe. Ah bon, ça parle autour de nous. Je trouve un peu de munitions et de. Il vient de faire une tente. Oh putain, je suis à côté de moi. Ouais, Ico, c'est un français. Qui
Ouais, ils sont deux. Mort ici. Derrière, derrière. Un crack. Aïe. Ah, terre. J'ai pris la sauce, moi. J'ai pris la sauce derrière. Je traverse, vers le shop. Ouais, ça va me finir. À terre. Je vois pas. Ok, vu. Knock. Oh. Je suis à cover, c'est bon, là, du coup. Ouais. Ah, il m'a mis une tête. Il colle, hein, il colle à mort. J'achève. Il doit rester qu'un. Ouais, il a sûrement dévié sur la droite, il était derrière les murets. Il y a une sacoche dans le shop aussi. Attends. Tué, tué, crack. À terre. Bien joué, let's go. GG, Squarry. Ou Lulu, je sais pas. Non, c'est Squarry, Squarry. On a tous joué dessus en bref. Ouais, on lui a mis un peu tous des balles. Il pouvait pas vivre lui. C'est ouf. Non. Une boîte de mine ou pas ça ici? Moi j'en ai une de boîte de mine. Non, j'en veux pas, j'aimerais bien un masque en vrai. J'ai une boîte de plaques. C'est quoi, tiens? C'est pas ici, je te rends ta thune du début. Venez vous servir, il avait trois autres. Tiens, tiens, c'est pas ici, tiens. Ah bah si, j'ai dit. Tiens, prends. J'ai récolté un peu. Ah ouais, c'est plus que la thune. C'est donc, il y a une autoréa là-dedans. Ah moi j'ai fait. C'est donc ça, les banques. Les intérêts, ouais. Ça, c'est pas ici, autoréa. Ouais, merci. Ah, les bons comptes font les bons amis, hein. C'est important, hein. Et quand t'as plus de comptes, mec, bah t'as plus d'amis. C'est vrai aussi, ça. Musique triste, là. Ah oui, oui, vraiment, mais c'est trop vrai, en plus. Aïe, aïe, aïe. Ouais, j'ai cru que j'étais en pillage, là, ouais, ouais. Je nous ai fait une vieux ton, là. J'avoue. Et le gros problème dans ce jeu, c'est que quand tu peux pas acheter de drone, tes sous ils servent à rien. Ouais, c'est ça. Hein. Ah, au fait, ouais. Et quand ton escouade est trop forte et qu'elle meurt pas, bah tu peux pas réa, donc. Enfin, si, voilà, ça, on achète 36 000 autoréa, des frappes, des plaques. Ouais, ou tu tombes sur des gars comme masques, le type qu'on vient de voir qui avait 4 autoréa animation sans lui, quoi, tu vois. Râle-cul. Ouais, les bons amis se voient, Charms, t'as raison. Et les gars, je suis trop contente que vous me donniez une nouvelle info sur Oli, c'est trop chouette. Je vais leur demander en DM qu'est-ce qui est cool en vrai avec ça, s'il y a autre chose à vous apprendre ou pas. C'est vraiment à droite. Non mais gros, il nous snipe. C'est trop cool. Ah bah oui, mais ça m'étonne pas, je dis à droite, c'est sûr. Ou plus ou moins. Bah là, mon ping. J'ai une frappe. Non mais je l'ai craqué. Il y en a plus à gauche aussi là. Je suis sûr c'est le. J'ai claqué la frappe. Il y en a aussi l'eau à gauche, je crois. De plaque là, Squarry, si tu veux. J'ai. Ah oui, contact. Inter. Un crack. Ah, oh, j'ai vu. Juste ah, contact aussi l'eau, hein. Ouais, ouais. Y'en a un qui push. Non. Il y en a un sur le à gauche, là. Il est trop au courant, lui, il est trop au courant, la vérité, il est trop au courant. À terre, un deuxième. Y'a l'autre qui push à droite. Là, au silo. J'ai pris une flash. Ils vont reculer, j'ai mis une frappe. En plus, y'a une évasion. Peux pas. Non, mais frère, c'est quoi ces joueurs? Non, mais c'est sûr, ils cheat. Y'a une team cheater, les gars. Cherchez même pas. Ouais, vas-y. Oh ça j'ai pas eu l'évasion. Je vais chino. Quoi, j'ai encore un, mais j'ai un sauvage sur la gueule, gros putain quoi. Mais pourquoi j'ai pas eu droit à l'évasion imminente moi? Rien à faire. Je crois que t'es, à mon avis t'es mort juste après, non? Bah non, je suis mort. Ouais, je suis mort. Ouh. Bref. Oh là là, 3 ans arrivé la frappe, ouais ouais. C'est pas grave. Attends, la smoke est comptabilisée comme surface pour la frappe. Ah, je sais pas. Imagine. Non, mais trop bien le jeu, ouais. Horrible. C'est pas. Horrible. On va se serrer les fesses, marque le cuir, essayer d'aller rien. Hein. Je vois que ça. Tranquille, les gars, c'est code, les gars, c'est code. Mais oui, voilà, c'est le même. C'est le même. Allez, sois content. Vive les snipers, quoi. Bah là c'est pas le sniper le problème. Ma souris, désolé. Eh, le gars était vraiment très 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 louche, hein, la vérité. Mais la game a trop bien commencé, mais là... Oui. Oh là là. Oh là là. Mais lui, à chaque fois qu'on se déplaçait quelque part, il avait sa lunette sur nous. Non mais c'est simple, il nous voyait à travers des buissons et des murs à quand on est arrivé là. On va rester là en vrai. C'était impossible. Ah je sais pas ultra. Merde. Qu'il fasse ça, sans cheater. Et il l'a fait plusieurs fois. Ah ouais, si, t'as raison. Mais non, il y avait la dune, non? Il y avait une petite dune, je crois.
Par contre, des cheaters, ça doit être le deuxième que je croise. Et Ultra, t'as kiffé ma story au matin? J'ai mis une nouvelle variante de stream. Enfin, vous avez kiffé, les gars, en général? Oui. Parce qu'apparemment, il y en a, ils ont dit c'est ma préférée et tout. C'est Striker qui m'a dit c'était sa préférée. 19 frags, il joue avec une cast-off 545, elle bougeait pas. J'ai fait ah, yes, super. Et le gars te dépopait à 200-300 mètres, j'étais là, ah bah d'accord. Cool le jeu. Je suis d'accord qu'il y a des joueurs qui sont forts, mais une 545 qui bouge pas, mec, et qui te dépop, je suis mitigé, tu vois. Bon. Je t'ai répondu sur Insta, Ultra. Salut Looping, comment vas-tu? Et encore Lulu, tu n'es pas tombé sur les bots? Encore plus fort. Hein? Attends, tu me parles de quoi? De bots? Mais quoi? Mais qu'est-ce qu'il dit? Non mais attends, mais des bots, mes frères. Mais quoi? Mais de quoi tu parles? You become somebody else. Qu'est-ce que je voulais faire, moi? Next nice fox to me. De rien, Looping. Justement, je ne crois pas qu'il y avait la dune. Ah, je sais pas. Next nice meet you. BF est pire que Warzone 2, la nouvelle mage est catastrophique, les devs savent plus faire de bons FPS. Je crois qu'ils recrutent que des stagiaires en vrai. Hein. Full haut du corps, ils tirent à travers smoke, mur et les flashs servent si... Ah, mais quoi? C'est des bots cheatés. En parlant de bots, il est temps qu'ils nous sortent une survie à la MW3 et un zombie sur MW2, j'avoue, Charms, mais ils le feront pas. Et ça aurait été bien. Ou ça, ou le mode extension. Est-ce que vous aviez kiffé, vous? Avec qu'il fallait s'extraire et tout, là. J'ai joué hier, c'est dingue. Comment je m'amuse plus sur ce jeu. Je suis dégoûtée en vrai. Polo, pareil. Pareil, mais tu sais quoi? C'est pas grave. Je me dis qu'il y a plein d'autres jeux super cool. Donc, genre moi, en ce moment, Destiny, Hogwarts Legacy, je m'amuse bien. Donc, ça me va très bien, quoi. Je pense qu'il faut pas penser au passé, les gars. Ouais, l'époque Call of Duty d'avant nous manque et tout. Mais c'est la vie, les gars. C'est comme ça. Comme ça les gars, faut avancer, t'inquiète Polo, trouve-toi un autre jeu, fais-toi kiffer, joue, les jeux vidéo c'est du kiff avant tout Polo, fais-toi kiffer vraiment frérot. Oh, les gens et leur micro, c'est les larmes. Extinction, pas extension, pardon, extinction, oui, c'était trop bien ça, pardon. C'est vrai, Polo, t'as kiffé Star Wars? Je m'amuse plus sur The Division 2 que Code. Ça m'étonne pas, Carnage. Ça m'étonne pas. Il reste une dernière chance à Code avec la mage du 15 si ça ne va pas, rip Code. Putain, Looping, la pression qu'ils doivent avoir en vrai. Et t'as raison, hein. Le pire, c'est que oui, c'est la dernière chance. Hein. C'est le 15. C'est le 15 février, c'est ça? On va. On peut sauter là si vous voulez, là-bas. Vas-y, go. Allez, go. Station. Je me suis mis un peu plus loin. Et j'entends des gens spawn. Ouais. Et moi. Mais oh là 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 là. Le mec enfonce la porte à côté de moi, je le vois pas. Bon. Sur le toit. Ouais, là. Touché, crack.
Crac sur toi, j'ai pingé. Il était une balle. Par contre, le shop. Il est knock sur le toit. Bien joué. Dégage. Il y avait un gars qui était à terre en dessous. Hein. J'ai entendu bruit sur moi, mais je sais pas. Peut-être moi en vrai. Ah, t'étais. Chez moi. Un peu loin. Ça court au-dessus de moi. Au-dessus ? Ok. Pas quand tu pas côté. Mais... Oh, vas-y, c'est sur moi, ils sont deux. Oh, ça fait les rats. Ok, j'ai vu. Ils étaient trois. Un terre. Atterré du coup. Putain, donc le gars avait déjà une autorité à côté. Mais joué ? Ils sont tous morts là ? Non. Ils étaient trois dans le bat. Ok, je suis avec vous, mais. Ok, devant moi. Sur en moi. Bas. Bien joué, bien joué. Sur les autres, je te laisserai pas mourir. Je vous laisse mon argent, j'ai mes deux armes, les gars. Merci pour la réa. Il y a une sacoche. Moi, ça va, j'ai. Ah ouais, merci. Hein. Je vais aller au shop. Les gens qui crossent au goulag. Tiens, par où on sort ici? Je suis perdu. Ok. Cory, tu veux faire quoi du coup? Je lui avais Réa, je crois. Vous avez ma Réa, ouais, si vous voulez. Ah, j'ai pas les. Ouais, non, j'allais aller chercher mes armes, j'avais pas vu que Chino était pas là. Attends, tiens. J'arrive, j'arrive. Allez, prends. Heureusement que tu le dis, Chino, parce que j'allais prendre mon arme. Vraiment. Bon, t'aurais pris ton arme, c'était pas grave, hein. Je vais avoir des sous normalement donc. On pourra tous s'acheter un peu de trois trucs. Je vais ratterrir au contrat coffre. Hein. Notre drone survole la tiens si tu veux. Une sacoche d'armure là. Je vous ai mis un petit drone et je peux vous ramener de l'argent encore. J'ai acheté mes armes et ouais, vous pourrez acheter les vôtres aussi si vous voulez. Moi c'est bon, j'ai okay, les miennes. Ok, mais go au shop hein. Je vous ramène de l'argent. Oula, il y a des messages, il y a des longs messages là que j'ai pas vu. Votre équipe est entrée dans la zone de sécurité. Je mets 6000, une sacoche ici et let's go. Et B. Hop. Prends la RPK. Ah, on fait un coffre. Moi je l'ai pris au cas où comme ça on peut. Voilà, et je peux déposer 6K là. Vas-y, j'arrive. Je vais les prendre. J'aurais plutôt fait une prime en vrai. Oh, c'est pas grave. Attendez, parce que je suis en retard là. La moula, elle est où? Ça passe crème sur les PC, ouais, ça j'avais vu. Je vais prendre ça au cas où. Alors, je cache pas que perso, hormis les bugs à corriger, serveur latent, stabilité, ne pas devoir se mettre accroupi pour ramasser. Sur une étagère, pas fixer le sol pour ramasser un truc. Enfin voilà. J'adore Warzone, ok. Je le trouve plus réfléchi justement que l'ancien. Il faisait de. Où il suffisait de bourrer dedans. Mais justement, en fait, moi ce que j'aimais bien dans l'ancien, c'est que justement, le fait de juste bourrer dedans, tu décrochais le cerveau et voilà. Moi je trouvais ça cool parce que ça ressemblait pas aux autres BR quoi. Ici, ils ressemblent trop à des BR classiques et c'est ça moi qui me plaît pas. Et moi, de base, j'aime pas les BR classiques, donc ce Warzone 2 me plaît beaucoup moins parce que bah, c'est justement bonjour. Moins. Bonjour. Ouais, salut. Salut. Vous avez un bon petit boule, madame, de là. Waouh. J'allais vous dire la même chose. Oh. Mais c'est gênant. Mettez-vous devant. Merci. Je passe devant. Je cours, du coup, je cours fort. Ah, ouais, je vois ça. Ah, je vois, je vois. Chill, faites gaffe. Courez un peu plus vite, s'il vous plaît. Moi. Ah oui, comme ça, oui. C'est bien ça. Bien. Oh, ah. C'est bien. Ah. Un méchant ici, madame. Ah. Il était bleu, lui, si jamais. Chino, il est devant toi, normalement.
Il y en a un au-dessus aussi. Spacey, fais gaffe. Il est juste là. Ah, il est descendu. Bah, il est descendu quoi. Ouais, ouais, il est descendu. Oh, il se fout de ma gueule. Un peu. Du coup, sur le reste, il y avait une team là. Donc ça, j'ai répondu. À prendre la petite prime, en vrai, si la map résume bien, que les mécaniques sont améliorées et pas de bugs, que le loot par terre est facile à choper, je pense que ça peut aller. Ouais, je pense aussi. Je pense que ça pourrait aller looping. Aïe, 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 c'est sur moi. Ouais, putain. C'est pas là. Dans le stade, je crois. Ah, mais non, c'est plus loin que le stade. Mais les gars, vous voyez trop bien la vérité. Mais putain, m'énervez-moi, ces snipers de merde, vraiment. Squarry, je vais venir sur toi. Je sais pas où sont les autres. J'arrive aussi, j'arrive aussi. Salut boss, tu vas bien? Ça bouge pas, c'est signal 50, les potes. Hein. Ah ouais, non, sois pas désolé d'écrire correctement, t'inquiète. Hein. T'inquiète, Nico, t'inquiète. C'est juste que, oui, c'est pas évident à lire sur le moment, parce que du coup, bah, ton message, il part vite très haut, quoi. Entrer, ou... T'inquiète, t'inquiète. Ah si, c'est Lulu qui s'excusera de ne pas te lire à temps. Non, c'est bon, moi, je suis à jour, là. Ça va bien, merci, boss. Très bien, merci beaucoup. Pas de soucis, Franck. R6, tu viens de découvrir R6, Looping. Oh, comment ça, tu viens de découvrir R6? Meilleur jeu en équipe, ça. Incroyable, R6. En vrai. On verra bien, les gars, on verra bien, j'espère. Un bot, je pense, j'espère que ça va être bien, parce que vraiment, la code, il est en train de crever, quoi. Dans tous les sens du terme. Partout. Ah non. Il y en a deux sur une hauteur, mais la prime il a pas. Tu passes au shop d'abord, Squarry? Ouais, je verrai. Vas-y, ça marche. Chez moi. Ouais, je suis là. Il monte. Une team complète derrière. J'essaie de retourner à mon stuff, moi, du coup, parce qu'ils ont tous des cales. Un mec là, en bas, il m'achève, niveau 24. Ah ouais, le script. Il y a encore une autre squad. Hein. Ah, il est au snipe. Sur le toit. Ouais, il est pas tout seul au sniper. Hein. Push là. Oh, il me push. J'ai pas réussi à le toucher. À terre. Mais je suis derrière, rampé. Ah, il s'est autoréa. Foiré. Putain, vas-y, ça me casse les couilles, quoi. Quel jeu de merde. Notre coéquipier a réussi. Mon déploiement est imminent. J'ai rien, les gars. Tiens, bouffler des akimbos, ça. Non, mais putain, mais les gens ils jouent trop sale, c'est chiant. T'as joué sale lignes là-bas? Ouais, les lignes qui tiennent quoi. Ça tient des lignes, ça joue au snipe et en plus de ça, quoi. Sur moi, ça push. Dans le garage. Ouais. Salut Ced, tu vas bien? 7 ans trop tard. Ah ouais, dommage, Looping, parce qu'en vrai, on a passé de sales moments sur R6. Meilleur jeu, trop bien. Pas de soucis, Nico, t'inquiète. T'inquiète, Nico, y'a pas de problème. Je l'ai lu ton message. Bah, t'as pris la même ouais, que moi, R6, hein, carnage, on s'est rencontrés sur R6, toi et moi. Merci, Chris. Une question, quand tu as démarré le jeu, il a crash aussi? Non, du tout, Ced. J'ai plus de crash depuis longtemps, moi, sur Warzone, les gars. Ça va, merci beaucoup, Ced, je vais bien. Parfait. Tout va bien, les gars. Grosse journée aujourd'hui. Beaucoup de choses à faire, mais on stream un petit peu, c'est cool. Ça fait du bien de vous retrouver. Je suis vraiment dégoûté. N'hésitez pas, s'il y a des gens qui veulent me soutenir, il y a une nouvelle façon de... Enfin, on instaure pendant quelques mois une nouvelle manière de me soutenir, les gars. Point d'exclamation soutenir, si jamais ça vous intéresse. On va essayer de mettre un petit peu de côté les sub-gifts. Prenez votre sub solo si vous le souhaitez, mais si vous voulez vraiment me soutenir, les gars, passez par les bits ou les dons, c'est mieux. On va essayer quelques mois comme ça et on verra bien.
Ouais, mais dans un sens, on reçoit normalement plus sur vos dons et sur vos bits que les sublifts. Ouais. Twitch, il prend trop sur les sublifts, c'est chiant. Lulu, ici, il y a une team... ici, là, il y a une team en voiture. Vraiment une gonfle. Ok. Qui attend nos colis. Sinon, t'en as un autre, là. En vrai, entre les gens qui campent comme ça et les gars qui bougent pas et qui tiennent des lignes au sniper, voilà quoi. Mais non, mais là, les mecs qui étaient dans leur bot à 3 dans le même bot RPK, c'est de plus en plus le gameplay. Hein. Ah bah oui, je confirme. Hein. Et vous jouez à aucun autre jeu que Warzone? Vous en avez pas marre de jouer tout le temps à Warzone? Ah ouais, tu m'étonnes. Si, très clairement. Moi, j'ai la Switch sur le côté, je joue à Pokémon, je joue à Animal Crossing, j'ai repris Zelda. Moi, je m'extériorise maintenant. Hein. Ah ouais, tu m'étonnes. Je me suis dit, si vous jouez qu'à ça... Ah non, je sais pas comment vous faites, hein, franchement, GG. Hein. Je joue beaucoup, parce que voilà, j'ai envie de jouer, mais voilà, mais sur le côté, je joue à autre chose pour m'extérioriser, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Il est où le coffre en fait? Il doit être au-dessus, je pense. Ah non, c'est ça en fait. Oui. Je connais tellement bien le jeu que. Je te jure, mec, j'y joue que le lundi avec vous. Hein, et encore, je joue pas tous les lundis, donc faut pas demander. Hein. Ma fréquence sur Warzone est à moins 8000. Ma 8000, ouais. Oh. Attends, il est où? Il est au-dessus, c'est ça? Ouais. C'est comme quand je revois les trends sur TikTok où tu vois les mecs qui mettent ça existe plus, le bon vieux passé, genre tu vois du gameplay de Black Ops 1, MW2, MW3, ça me... Tu vois la nostalgie, puis tu vois maintenant. Bah, c'est les mêmes personnes qui mettent dans les mêmes bails BO3, BO4, ouais, vas-y. C'est vrai, ouais. Ça me détruit aussi, ça, par contre. Ah, frère. Ah non, les meilleurs bails sur Call of c'était BO1, MW2, MW3, y'a pas de discussion, mec. Et BO2. Et BO2, c'est pareil, c'était bien aussi. C'était les meilleurs bails, vraiment. Après ça, non plus il fait que régresser, et voilà où on en est. C'est grave. Ben ça fait de la moule la gars tout ça. Ouais hein, pouvoir aller tous vous réa. Sans savoir si t'as pas une squad qui campe sur un shop avec 4 snipers. Ouais mais là mec, mon existence sur le jeu va durer encore 30 secondes alors hein. Genre Moi c'est chaque fois le cas, hein. Je vais à un shop, tu peux être sûr que t'as 3 pélos sur un toit qui sont en train de regarder que le shop. Hein. Y'a où un shop d'ailleurs? Attends. Regarde, t'es où? Bah soit là-bas, tu dois traverser tout au bout, ou alors là-bas, tout au bout. Non, mets-moi l'autre avant s'il te plaît. Voilà. Okay. Merci. Ah oh, bah voilà, c'est ce que je disais. Voilà, les campeurs de l'out. Trop ce jeu, c'est trop. Oh, ça complique. Je lui disais. Je lui disais les shops ou les colis. Y a deux mecs qui se campent le côté. Putain. C'est encore là. Oh, c'est grave. Oh, il me la colle en plus. C'est ça le pire. Quoi. C'est trop grave. Ce je démute, c'est j'entends. Mais non, Nico Franc, merci pour les 10€. Merci beaucoup, Nico. Génial. Je préfère en rigoler qu'en pleurer. Merci beaucoup, Nico. C'est trop gentil. Merci à toi Nico. Merci beaucoup. Oh, trop mignon. Est un massacre. Merci pour tes 10€ et ton soutien. Génial. Oh les gars, une chaîne. Clairement Ayo du comme tu dis. Ah je crie là. Ah bah tu m'étonnes. Salut Détron, ça va et toi? Comment tu vas mon petit Détron? Mais tellement gros, mais j'ai... Oh là là, mais c'est trop. Et je te jure, moi la vérité, j'ai tellement peur de ratterrir sur un shop ou de ratterrir sur un loadout parce que je sais, mais à 90% qu'il va y avoir 2 ou 3 mecs qui ont planté. J'ai hésité en plus. Pas, et voilà. Je me suis dit, je vais peut-être pas aller tout de suite au colis, je vais d'abord aller réa et.
tu vois des gros streamers jouer à Fortnite, Fall Guys et autres alors qu'ils sont uniquement Warzone, ça veut tout dire. Ouais, clairement, Looping, clairement. Clairement, t'as trop tout résumé là en fait. C'était prédit quoi. Putain. Nico, incroyable. Mes petites boules de neige. Pourquoi t'envoies comme ça 10 balles, Nico? Merci beaucoup. Merci pour ton soutien. Ça fait trop plaisir. Merci. Merci les gars, merci à tous de réagir toujours et tout et d'envoyer du soutien, c'est cool. Detron, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, mon petit Detron, j'espère ça va. Mistef aussi, bonjour. Comment tu vas, Mistef? Mec, j'ai relancé Zelda, je peux passer. J'ai passé, je crois que c'était samedi soir. Ouais, je me suis réveillé à minuit. Parce que j'avais été dormir à 6h et quelques, j'étais resté toute la journée de ça avec le boulot et tout. Et je me suis réveillé à minuit. Mec, de minuit à 3h, j'ai fait du Zelda dans mon lit, mec, au calme. J'ai fait 4 donjons où j'ai réussi à démolir les donjons, gros. J'étais trop fier de moi. Oh yeah. Sans pression, gros. Je kiffe. D'ailleurs, sur la suite, j'ai trop de jeux pour le moment. Et Pokémon Animal Crossing et. Ça le looping, ta clip, mais non. Je joue au 3 pour avancer dans les 3. Oh putain, les larmes. Ah, Nico, franchement, ça me touche grave parce que sur peu de temps, Nico, je trouve qu'on te voyait plus trop et tout. Et franchement, je veux pas savoir pourquoi, t'inquiète, c'est pas le but. Tu fais vraiment ce que tu veux, il y a aucun souci. Mais genre tu nous as donné ta confiance avec Oli. Donc ça franchement déjà ça a pas de prix. Genre c'est ouf parce que bah, vous me donnez votre confiance en fait. T'as suivi un peu ce qu'on t'a dit et tout, donc c'est trop cool. Tu vas voir, tu vas pas être déçu. Et là tu t'envoies 10 balles quoi. Donc sur peu de temps là franchement Nico, ça me touche énormément. Merci merci à toi. Je voulais te le dire quoi. C'est je suis trop contente. Merci mec. Ça, en pleine forme, merci Mistef. Sympa le petit coin où t'as fait ta rando, vraiment des beaux spots, c'est sympa à voir. Et vous avez pas encore vu la vidéo, hein, Mistef? Je dois monter une vidéo. Hein. Là, vous avez vu que les photos, les gars. Si la vidéo de cette rando vous intéresse, n'hésitez pas à suivre l'Insta et à activer vos notifs de réel, les gars. Quand vous allez sur mon profil GG Lulu sur Instagram, vous savez activer des notifications en haut à droite et vous savez activer sur quel notif vous voulez. Donc vous pouvez par exemple vous retirer les stories, par exemple, vous mettez juste une notification quand je poste un réel. Ou s'il n'y a que les photos qui vous intéressent, mais vous cochez que quand je poste une publication, par exemple, etc. Mais voilà. Le réel, je vais le monter aujourd'hui, je crois. Je vais monter le réel aujourd'hui. Oh, vas-y, Pink, parce que la rando était vraiment cool. On a fait plein de beaux plans et tout. Parce qu'en photo, vous avez rien vu encore. Hein. C'était trop bien. Vas-y, airport. Droite. Airport, ça s'appelle comme ça. Ah ouais, direct. Ah, c'est la maison. Ouais. Vas-y, let's go. La maison. DJ fait des dingueries. Alors, oui. Bah, c'est là-bas que je spawn chaque fois avec elle. J'ai devenu la maison. C'est avec grand plaisir, quand je peux soutenir un truc, j'apprécie, j'hésite pas. Même si pas la source principale. Mon clavier était déchargé. Même si pas la source principale de revenus, le but derrière le travail est quand même d'avoir une visibilité, une compensation qui est largement méritée. Merci Nico. Bah surtout qu'en plus en ce moment, Nico, je sais pas si t'as vu sur Instagram, je sais pas si tu me suis sur Instagram, mais je crée énormément de contenu sur les réseaux sociaux. Je fais pas que du Twitch quoi, je suis très active au niveau création de contenu ailleurs aussi que sur Twitch, mais vraiment pas juste poster des clips quoi, je crée du contenu et donc effectivement c'est très gentil et c'est très vrai ce que tu dis, c'est que il faut une petite compensation quand même derrière quoi, et c'est cool que des gens comme toi enfin vous êtes plein à le faire, mais que c'est bien que tu le mettes en avant et que tu me mettes en valeur, c'est cool. C'est vraiment gentil ce que t'as dit. Un grand merci. Une sacoche d'armure là. Il y avait un mec qui a atterri ici, mais je sais pas où il est. Donc faites gaffe. Hein. Je l'avais craqué tout, mais. J'ai vu le star sur les balades et même ta petite pub personnalisée Oli était top. Merci Nico. Mais c'est pas fini les gars, hein. J'ai encore énormément d'idées, énormément de contenu, de projets, j'ai une annonce à vous faire aussi bientôt. Ça va être incroyable les gars.
J'ai du contenu là qui arrive encore. Crack. Ouais, j'en ai tué un moi sur moi sur le toit. Moi ouais, il est là aussi, il est là au-dessus. Bien joué. Bonjour loulou, ça va, tu vas bien? Mon petit loulou, comment est-ce qu'il va? Tu sais quoi, je l'interroge, on va voir s'il a des potes. Hein. Jure, pas de soucis Chris. Comment vous m'avez manqué, mais toi aussi Detron. Toi aussi mon petit Detron, tu nous as manqué. C'est trop bien Detron, merci beaucoup, merci mon Detron. Trop gentil. Je suis là Chino, mais je sais pas où il est le type. Et camion qui est à côté. Ouais. Ça va, il va s'arrêter le camion. Ouais. Je pense qu'il est venu, il est dans ce bâtiment, il est rentré dans le bâtiment ici à côté, je pense. Là, je crois. Ouais, ok. Que l'autre c'est une forteresse, donc il peut pas rentrer. Donc, faites gaffe, il est en bas, il est en bas. Oh, encore sur moi, il est descendu du toit. Non, non, frérot, non. Oh, sur moi. Oh non. Bah... T'inquiète, Detron, t'inquiète. Ça va super, merci loulou. Ça va très bien, merci beaucoup. Là, c'est trop bien, Nico. Je suis trop contente que vous aimiez le contenu Instagram, les gars. Parce que je trouve que. Ben, en fait. Je trouve qu'aujourd'hui, en 2023, je ne suis pas qu'une streameuse. Je suis plutôt une créatrice de contenu. Je pense me qualifier comme ça maintenant. Je n'ai pas envie d'être qu'une streameuse en fait. J'ai envie d'être une créatrice de contenu en général. On l'entend pas. Oui, là, elle est mutée. Ah, ouais. Oh, mais j'étais mute depuis avant. C'est pas grave. Ouais, t'étais mute. C'est pour ça que je donnais les infos. Je me disais, elle va peut-être non. Un mort. Chino, je mets une grenade. Ouais, je mets une grenade. Les cracks. Bien joué. Il est mort. GG. Ouais, grosse baladière, loulou, j'ai des courbatures de ouf. Là-bas, derrière ouais. J'ai des grosses courbatures, on a fait beaucoup de dénivelé. Une grosse rando hier, ouais. C'était quoi ça? Ouais, je m'étire. Les larmes. Wesh. C'est une voiture qui me push. Bah parfait, vraiment. Enjoy. Attends, j'ai juste acheté une arme, Scorier. Je t'avoue que là. Knock, mais. Oh, dommage. Viens, le jeu. La même, je prends une arme aussi. Knock un mec ici, et du coup, il y a son pote ici. Tu es écrasé ? C'est pas ici ? Non, non. Viens, on s'échange nos thunes, tiens. Tiens. Mais non ! Mais non, mais prends, quoi. C'est vrai que j'ai mal dit en vrai. Il y a une réa à côté. Mais prends une ta deuxième arme, meuf. Ah, t'es sûr? Ouais, ouais, vas-y, tiens, prends. Après. Ils sont trois, ils sont trois. Ah, oui, oui, c'est vrai. Garde. Ils sont trois, ça push. On peut pas. Ouais, ouais, t'as raison. Attends. Ouais, je sais pas, on va prendre la thune. Ouais, il faut qu'on trouve la thune ici. Bon, la voiture qui était sur le côté, ils push, ils sont trois. Et Spacey, tu vois le shop derrière nous, genre. J'ai compris, les contacts derrière. Ouais. Eh bien, il y a des mecs, hein. Il y a une réa là-bas. Des mecs, mon réa, ouais. Contre de la thune. Ah mais là y'a plus rien, j'ai fait en bas avant. Ah ouais? Ah merde. Ouais. Y'a même plus une... Ah ouais t'as plus... Ouais. Y'a une frappe qui vient d'ici, ils font la forteresse. Ah de quoi FG, comment ça Donc y'a deux squads là, faites attention. Hein. Ok. Ah j'essaie... T'as nous ta thune toi. Je dois me plaquer hein, Spacey. Vas-y. Il avait quoi lui? Je peux aller Réa. Ok, vas-y, on fait demi-tour, on va aller là. Là, j'ai lu. Je suis là. Il est crack, Sur toi aussi. Oh là là, ça va être dépuante. À terre. Il y a un mec sur toi. Je vais lui. Il y a plus personne, je crois, sur nous. Directement sur nous, je crois qu'il y a plus personne. Il a plein de frappes lui, Spacey, faut que t'en prennes. J'essaie d'aller réanimer là-bas, du coup. Ouais, on va faire. Mieux, c'est un peu risqué. Ok. Ouais. Attendez, les gars, je vais vous répondre dans le chat. Évitez juste de. Attendez.
Il y a pas de boycott Evil Jean. Pareil pour moi là, j'arrive pas à... j'arrive pas à suivre le chat, on est trop concentré là. Je... C'est pas qu'on veut pas vous répondre les gars, mais parfois on peut pas tout faire quoi. Bah, Lulu, tu peux oui, pardon. Ouais non, j'avais pas envie chez nous en fait. Ouais, pff, ouais, bah, attends, viens, on leur laisse la thune pour qu'ils prennent au moins une arme. Genre, je sais pas, débrouillez-vous les gars, mais... Et je lâche une frappe aussi sur le shop. Une frappe et de la thune. Sur le toit, qu'est-ce qu'on rien dit ? Quoi ? Je sais pas où elle garde. J'arrive. On a tout mis les gars, frappe, sous, sacoche... Et j'ai vu personne sur le toit, j'ai regardé un J-Spec un coup. Je me mute du coup aussi. Comme j'ai réduit mon budget... Oh, j'ai peur. comme j'ai réduit mon budget sub sur Twitch, non pas spécellement par rapport à leur changement unilatéral dans les contrats existants, mais pour d'autres raisons, mais je tente de soutenir autrement. Mais c'est très très cool, Nico, t'inquiète, c'est vraiment super gentil ta part. Et de toute façon, moi je veux bien encore, enfin je vous encourage à prendre encore votre sub personnel si vous avez envie d'avoir votre badge, vos émotes de la chaîne, etc. Mais je vous encourage vivement à envoyer plutôt des bits ou des dons PayPal. J'ai plus envie que vous envoyiez des sub gifts. Parce que votre argent, elle part plus pour Twitch que pour nous et ça ne me plaît plus en fait. Donc voilà, je préfère vraiment que vous preniez juste votre sub à la limite et le reste en bits ou en dons si vous voulez vraiment soutenir la chaîne davantage quoi. Mais aucune obligation les gars. Salut Choupette, comment tu vas ? Choupette des deux, bonjour. Je sais pas où aller. Sois le bienvenu. Ou la bienvenue plutôt, je sais pas. Bonjour à toi. Et refranc. Vas-y go go go. Voiture qui push. Je suis avec un ours, ouais, c'est ça. Un oc. Je suis sur le toit, ils pourront pas m'avoir, hein. Sauf s'ils montent sur le toit. Ah ouais, mais nous, on est, okay, on est en bas, mais ah ouais, attends. Bah, ils sont en bas. Oui, oui, je le vois. Un terre. Un frac. J'en ai eu un, moi. Bien joué, j'ai eu mon frac, let's go. C'est bon, c'est bon, bien joué. Il y a encore une sacoche là, si jamais vous avez encore besoin. Bien joué, les potes. Bien joué, les gars. Bien joué, ton call, hein. Ah, ça réa à côté, les gars. Au shop qu'on a pingé. J'arrive scorer, je vais prendre ma classe en tout. Ça va Choupette, merci beaucoup. C'est surtout pour pas avoir 10 pubs. Oui, c'est vrai que prenez votre sub personnel, hein, clairement. Il va m'avoir crack. Il est crack, oui, il est crack. J'ai pas votre sub perso, c'est pour votre badge, vos émotes et ne pas avoir de pubs, c'est vrai. C'est vrai, c'est important. Mais juste juste votre personnel, les gars. Le reste, c'est mieux en bits et en dons, si jamais. Vraiment, si jamais vous voulez soutenir en plus. Vous êtes pas obligé, mais je préfère vous le call, quoi. En plus, avec les beats, vous avez des émotes et des badges supplémentaires. Mon arme a disparu. Chino, c'est toi qui l'as ? Non. Enfin, surtout les émotes, parce que le badge, c'est soit le badge. Enfin, voilà, vous pouvez pas mettre tous les badges, quoi, mais vous avez compris. Je pensais que j'avais. Vous, sur le toit du RR de l'aéroport. Attends, le mec que t'as knock là, je vais le finir. Ah, il est HP déjà. Ah, ok. Il y a une frappe, attention. Je vais mourir de la frappe. Ah, putain, mais c'est le même qui me tue à chaque fois. Il est tout seul. Ah non, ses deux potes sont un peu plus loin. Okay. Sur le toit là ? Ouais, y'en a un sur le toit. Ah oui, je les vois. Waouh, il touche bien, hein. Ouais. Je lui ai mis une frappe, hein. Il va devoir bouger. Ouais, il bouge. Il est parti vers là-bas. Ouais, mais clairement, Loulou, t'as raison. T'as clairement raison, Loulou. C'est pas pour les questions, c'est juste que ça va être l'heure pour moi. Bonne fin en fait. De live. Bonne journée à tous. Des bisous, ma poulette. Cœur sur toi, ma petite Noérie. Et si t'as le moindre. Si t'as le moindre doute, si t'as le moindre problème, tu n'hésites pas, tu me DM, ma biche, d'accord ? Te laisse pas submerger par des émotions que tu peux pas contrôler. Ouais, j'arrive. Dans ton dos. J'en reviens, viens, parle-en avec moi, viens et je t'aiderai, c'est promis. Ah bah je suis dead en fait. Ça peut se. Je peux pas, ça peut se gérer, mais à plusieurs. Là il est. Il peut, de toute façon. Enfin, genre, pas toute seule quoi, d'accord. Quel con. Oh, je suis dead, mais moi. Je peux pas. Dommage, je suis. Mais gros, c'est quand le même, le Wagner Love, il me rend fou, frère. Mais c'est un mec. Je sais pas, mais c'est lui qui m'a tué. C'est lui qui m'a push en voiture, c'est lui qui m'a tué autrement. Ils sont 3, Lulu. Ouais, j'en ai knock un, mais. Il va le réa. Tout repose sur vous. Votre coéquipier a échoué. C'est un retour à la base qui l'attend.
Par contre, ce que je comprends pas, c'est que sa RPK m'a couché plus vite que la... Enfin, je comprends pas. Enfin... Ce jeu est une vaste blague. Les lobbies sont chauds en vrai. Hein. Et ça joue ton camp là, ce matin. C'est un truc de ouf. Hein. Enfin, je sais pas, moi j'ai l'impression que mon RPK elle fait pas les mêmes dégâts que les autres en fait. Chaque fois que j'ajoute cette arme, je me fais T'as des pop. T'as peut-être pas bien que... paramétré, hein. Après elle a peut-être perdu ses atouts. Souvent ça arrive dans le menu chez nous. Non, même pas, parce que là elle est tout bien stuff. Putain, ils sont où? Ils sont dans le bat à gauche, ils étaient trois. Ils sont collés les trois, hein. Ils sont collés les trois hein. Ici. Ah mais juste... Ouais. Ah justement, je l'ai cherché en fait. Putain. Ah, et ouais, comme ce putain de jeu est trop nul pour le son, bah voilà. Ok. Le mec venait de monter l'échelle quand même. Ok. Dommage, relou. Merci de ton soutien, merci pour tout, mais merci à toi Neuri. Merci à toi meuf. C'est ensemble hein, meuf, c'est toi, c'est moi, c'est tu m'aides, je t'aide, c'est normal, il y a pas à se remercier en fait. C'est vraiment un gros. C'est la logique ça. T'inquiète. La saison 2 sera vraiment bien réglé. T'inquiète. On a attendu 18 saisons sur Warzone 1 pour avoir 200. Ouais. Après, tu t'y prends très mal, mais je comprends que s'ils sont en baisse de revenus ou déficit, car j'ai pas suivi leur état de finances dernièrement, je comprends qu'ils cherchent des solutions pour renflouer les caisses, mais ça devrait pas aller au détriment des créateurs, car sinon il va se passer ce qu'il se passe. Oui, les créateurs changent leur fusil d'épaule. Exactement, c'est ça, Nico. Et surtout qu'ils font des changements sans trop en parler publiquement, quoi. Non, petit à petit, comme ça, même, c'est pas ouf. Personnellement, ce que je trouve quand même une bonne chose... Ils pourraient tellement mettre en place un système correct d'abonnement en place en fonction, par exemple, de la qualité de stream que tu veux offrir. Pour avoir une variante limitée, gratuite pour les petits qui veulent tester le monde du stream, puis facturer les plus gros et faire des contrats personnalisés pour les partenaires. Mais ça, je suis d'accord, Nico. Parce qu'en fait, petits et gros streamers payent la même chose pour les serveurs, parce que, tu sais, la bande passante, ça coûte très cher, c'est ça qui coûte le plus cher pour une plateforme de stream. Et ils font payer la même chose aux petits et aux grands. Et les grands sont plus avantageux que les petits, quoi. Ouais, envoyez de la force à Noéry, les gars. Désolé, je suis au téléphone, il y a des gens, c'est un sketch quand ils t'appellent. Ah ouais ? Ouais, on en a déjà vu aussi. Lol, quoi. Ouais. Effectivement. C'est toi, moi et tous ceux qui le veulent. Allez, ah oui, la chanson. Comment ça va, c'est encore ? C'est toi, moi et tous ceux qui le veulent. Non, c'est pas ça ? Allez, non, je sais plus, j'ai plus le truc. J'ai l'air ridicule. Salut Jojo, comment ça va? Si, c'est ça? Toi plus moi. Ah oui! Toi plus moi, plus ceux, plus tous ceux qui le veulent. Et tous ceux qui sont seuls, allez, venez et entrez dans la danse. Allez, venez. C'est notre jour de chance. C'est ça, hein? Interprète. Nico! Nico, en plus des 10 euros, tu lâches ton prime, mais quoi? Mais quoi, Nico? Mais c'est incroyable. Merci beaucoup de ton soutien, Nico. Merci énormément. Merci pour la force. C'est insane. Let's go. Merci beaucoup. Let's go, let's go. Merci, mon Nico. Incroyable. Ça va bien, merci, Jojo. Tout va bien. Merci beaucoup, Jojo. Oui, c'est ça, Loulou. J'ai bien reconnu, hein. Plus près des étoiles, au jardin de lumière et d'argent. Les rivages brûlants. Bon. Un peu plus près des étoiles. On a Saïd, ça fight bien là-bas. Et des colères du vent. Moi je vous suis en vrai. Saïd City, c'est stylé. Mmh.
Et du coup, là, je vois personne. Ah, Squary, il a encore eu un problème. Ah, j'étais aux toilettes. Ah, pardon. On a des gens qui vont sûrement l'atterrir là-bas dans le patelin. Là-bas. Je crois pas, Loulou. Pour le bien-être de tous et du groupe, la cohésion du groupe. Ouais, ouais, il y a une squad qui va atterrir dans le patelin, blabla, 100%. Avec nous, on a personne. Ok. On a identifié les cibles, à vous de jouer. J'ai jamais aimé les fêtes foraines, y'a jamais rien, putain. Fêtes foraines. Il se passe jamais rien. Des fois, il y a des petits coffres en vrai. Hein. Ouais. De toute façon, moi j'aime pas la. Ah oui, là-bas. Mais moi non plus. Jamais aimé. Ouf. T'as des cavernus, quoi. On va le prendre celui-là. Ah ouais, j'avoue, la fête foraine, y'a rien. C'est le petit lapin. Bah, c'est nul. D'habitude, y'a plein de. Allez, on va voir s'il y a du monde. Voilà. Voilà. J'ai plus donné de la tête tellement y'a des points. Y'a un mec, un pélo tout seul là. Je suppose que le reste de sa team doit être là-bas et que c'est la prime. J'ai même pas envie d'aller le jouer, la vérité. J'ai même pas d'armes. Hein. Vous avez vos armes? Oh non, j'ai rien du tout comme thune. J'ai trouvé 800 dollars là. C'est ce que j'ai trouvé. Ok. Attends. Le loot, c'est là. Ok. J'ai 7000 à donner si jamais. Moi j'ai mes armes déjà. J'arrive. J'ai besoin. Bah vas-y, donne. Hein. Donne Ding. Thank you. Non. Merci. Sacoche aussi. Non, sacoche, vous avez seulement. Ouais, ouais. Thune, mec. Ah, vous avez. Ouais, vous avez blindé là. Ça a bien bossé, hein. Oh, c'est autre chose, ça. Voilà, je dépose 2003. Oh mec, hier, j'ai mangé un dessert, j'avais jamais mangé ça, c'était trop bon. J'ai mangé un parfait. S'ils disent quelque chose, mec, tu fais genre que tu pouvais. Tu pensais que tu étais mute. Oui, bien sûr. Vive la mage du 15 pour plus de pognon. Ah, ils vont nous rajouter de la thune à looter, à looping, c'est ça? C'est un gros sale colo. C'est vrai? Je suis pas fan des desserts avec de l'alcool dedans. Ok, ok. Baf. Non, je sais pas, même le baba. C'est ça de mettre ta camionnette le long de la nationale, ça rapporte. Oh là, Polo, attention hein. Dans les caisses, plus de thunes, ok. Bon. Bah, c'est pas plus mal en vrai, hein, parce moi, que. Je l'ai fait. Les billets de 100 disparaissent. Ça, ah ouais, je sais pas comment ils vont mettre que des billets de 500, c'est ça? J'ai 1300, j'ai ramené. Hey Yoshino. Ça va, mec? Vous avez besoin de quoi? J'ai ça si vous voulez. Merci. Besoin de faire des kills. T'as tes deux armes ou pas chez nous? Je l'attaque V. Non, j'en ai qu'une seule. Il doit les acheter. Merci. Après, il est pas très loin, ils sont à la fin. Ah, j'espère aussi, looping. Hein. Allez. T'imagines, au lieu des billets de 100, il nous met des pièces. Mec, on est mort, hein. Pièces de 10. En fait, le truc, c'est oui, on va faire disparaître les billets de 100 et tout. Donc là, toi, t'es là en mode ouais, trop bien et tout. Ils vont te mettre des pièces de 10. C'est bon. Oh, et puis qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Je suis là pour ma vie. Caisse 50 centimes. Oh. Putain, les larmes. Les pièces jaunes. Au secours. Ah, il y a un hélico qui va te se casser la gueule juste à côté de nous. Hein. Ok. Ouais. Ah oui, effectivement. Oh, il se crash. Je sais pas où il a sauté le mec par contre. Moi non plus, j'ai pas vu. Ils ont leur mini drone. Ils sont là, les paras, je les vois. Attends, plus à gauche. Ils se barrent loin. Ils sont trois. Ça fait une zone de reco là-bas, non? Non, ça a fait la forteresse. Ils ont notre info parce qu'il y a le drone. Il y a le drone permanent là. Le drone permanent.
Vas-y, si oh, il y a tous les bots là aussi. Il y a un véhicule qui se ramène derrière. Quoi, c'est comme je vais prendre le toit là. Oh putain, ouais, le véhicule de merde. Dans le bâtiment, du coup. Avec la frappe. Je vois, lui, il est mort. Deuxième crack. Oh, mais c'est les bots à de terre. Merde. Derrière, son, derrière le petit balcon. Le mec du véhicule, il est à terre. What? Oh, j'ai rien compris. J'aimerais bien péter son véhicule, mais. Attends, c'est pas vrai. Il a vraiment mâché. Toi, tu finis, espèce de chien. Là. Il reste encore un à l'étage, je crois, mais je suis pas sûr. Black Mondro, non, il est à côté. Ouais. Non? Comment il est pas mort? C'est une blague. Oh, va te faire voir. Il me faut des munitions de calibre moyen. Bien joué. J'en ai un ici, apparemment. Il est plus là. Ok. Il voit pas le vieux. Ouais, ouais, je sais pas, ouais, trop bizarre. On a une squad qui était là à notre ancienne position, derrière ici. Je les ai vus sur le drone. Vas-y, Goréa. Je vais aller prendre ma classe, je l'ai pas prise du coup. Ah, il est mort lui, je crois. Ah ouais, bah. Je sais pas de quoi. Ah, c'est là, ok. On va arriver à soirée. Ouais. Je vais chercher mon fantôme et je me pointe. Hein. Le fils vous êtes bleu. On le ramène à la base. Je vais aller au shop hein, avec Spacey. T'as pas assez hein Spacey. Ouais je sais. Désolé je suis en train de discuter. Je suis. J'ai blindé, t'inquiète, j'arrive. Ouais. Ah y'a un mec là au shop. Ouais oui, attends, c'est une squad là. Fais gaffe, c'est une squad hein. Ils étaient plusieurs, avaient plusieurs points. Ouais. Ah bah je peux pas. Ah oui, carrément, t'as le véhicule qui arrive et tout, ils sont tous dessus, hein. Ah oui, je dis, il y avait une squad complète, hein. Drone hostile dans la zone. Ouais, ils ont claqué un drone, 3%, c'est... Ouais. À inter. Bien joué. Ils sont vers où? Au véhicule. Et je suis en train de prendre... Oh, ça a rien que j'y aille, en vrai. Essaye de réa, toi, ouais, essaye de réa, en vrai. Flamme, mets flamme. J'ai spécié. Là derrière, la véhicule. Réa, toi, réa. C'est fait. Ah, je suis dead. Dommage. Il mine la dispersion. Pourquoi mon arme est en rafale? Il y a deux teams. Ouah, bah. Le squarry retourne à la forteresse. Mais par contre, il y avait des bottes, hein, fais gaffe. Mon arme était en rafale, les gars, mais quoi? Oh là là. Si mes frères, c'est les bots, c'est bon. Il me shot le bot. On tombait dans un lobby où au début c'était que des bots en face. On se dit ça va aller jusqu'à ce qu'on tombe sur 4 streamers en train de. Oh non, en train de wagger et tout. Oh là là. Mais tu sais jamais, ça moi j'arrive pas à avoir la diff hein. C'est horrible. J'en ai deux à gauche, pas ici. Ah ouais mais c'est... Ah ouais d'accord, c'est le bot qui a... Pas, Lulu. Ça craque, ouais, ça prend pas la terre. Oh il est craque, dommage. Ah dommage. Vous avez perdu le combat. Rentrez maintenant. On est morte. Salut Stroom, tu vas bien? Arrêtez les 1 et 2 centimes, ce serait déjà bien. Oui j'avoue, déjà dans la vie c'est ça hein, que tu veux dire. Ils en avaient parlé à un moment donné d'arrêter tout ça mais... Ouais je sais pas. Tu peux. En soi, tu peux. Si, tu peux. Y'a pas de raison. Enfin, je réfléchissais, mais non. Parce que tu les as pas. Enfin, tu les insultes pas, donc tu peux aller, hein. Y'a pas de problème. C'est genre dire des noms et les déblatérer derrière, ça c'est pas ouf, quoi. Mais tu dis rien de tout ça, donc. Je relisais ton message pour être sûr. Mais non, y'a pas de raison.
Un peu plus près des étoiles, au jardin de lumière et d'argent. C'est vrai, Ultra? Oh, bah, horrible, hein. GG, hein. J'aime pas le bruit de ces pneus qui sont pétés, mec, c'est horrible. C'est horrible. Plus libre qu'avant. Comme canon. Ça, quelle horreur. Par contre, tant pis, je vais loot parce que ça descendra jamais. Hein. Un mi-chemin entre la vie et la mort. Pour ça, il faudrait des coffres. Le soleil brille encore. Rayon de lumière posé sur la mer. Ah si, parce que mon arme depuis ce matin, je l'utilise, c'est la même ultra, donc... non, t'inquiète, je suis leur stream en plus, dans le goulag. Un tombe sur Eni, qu'elle a tué à coup de crosse, oula. Du coup, je vais voir son live, et elle était avec White Infinity et Kigunin. Le quatrième, je ne sais plus, ok. Ah oh, putain. Et genre, vous étiez sur des bots avant, c'est ça? Juste des bots, tranquille, quoi. T'as la galère. Alors c'est bien le bug, mais trop bien. Que je sors des Avada Kedavra, des Abracadabra. Hein, attends, des Avada Kedavra à tout le monde, c'est quoi ça? Avada Kedavra, c'est quoi ce sort encore? Oh, j'ai rien compris moi. à lire, c'est pas facile ultra en vrai, hein. Lulu. C'est quoi le sort encore? Ah, le sort interdit de Voldemort. Ouais, c'est vrai. Un sort interdit. Le sort interdit. Ah, oh, j'adore! Ils connaissent tous, j'adore! Ah, oh, vous me donnez envie de regarder Harry Potter ce soir. Ah non! Ah non, il y a le nouvel épisode de... Il est sorti, le nouvel épisode de... De The Last of Us. C'est aujourd'hui, non? Oui, oui, ok, donc c'est ça que je regarde ce soir. En fait. Il fait combien de temps cette fois-ci? Encore plus d'une heure? C'est pour tuer, ok, ok. Le sort de mort, le truc vert. Ah oui, oui, c'est vrai. C'est celui-là. 48 minutes. Oh, ça va! Mais je pourrais regarder Harry Potter en plus, je crois. Je vais regarder le dernier épisode d'Harry Potter, là, en bah, double écoute, partie, je là. Pas, donc, attends, je ça va être trop bien. Ah, moi non plus. Oh, Squarry, bah. J'arrive. Ah non, il y a des gens! Ouais, y'a du monde, oui, y'a du monde. Oh putain. Putain, tout ça pour ça. Oh, j'ai envie de mourir. Là. Oh, ils sont pas bons en plus. Je les vois même pas, ils sont où? Oh merde. Ouais, t'es muté, non? Ouais. Bah ouais, pardon. Y'a t'inquiète. Team qui est là. Tout ça pour ça, quoi. Ah. Ouais, bah ouais, je me fais pêche. Alors, j'ai. Je crois que oui, parce que j'ai liké Ultra. C'est avec justement The Last of Us, non? Ouais, mais frère, c'est bon! Bon, je vais essayer une réa. La scène dans le musée, là. Ouais, mange une c'est ça, hein? Salope. Pas mal le montage. Je vais essayer d'aller là. Oui, j'ai liké Ultra. Hein. C'est tous tes posts, je les like. Enfin, tous tes tweets, je les like en général. Mais moi aussi, Loulou, moi aussi, je me suis dit merde, il s'est cassé les jambes. En fait, non, il s'est fait tuer. Il s'est fait tuer. Exceptionnellement, dans la nuit de vendredi samedi, il va avoir un autre épisode. Ok, ok, ok. Vendredi à samedi, ok, parfait. Je peux plus pinguer dans cette game. Parfait, parfait. Ok. Super. Merci, Carnage, pour l'info. Oh, ils sont deux. Mais qui sont ces gens? Spicy, c'est quoi? C'est quoi? C'est des bots, non? Chelou, C'est. Normalement, c'est des bots, ouais. Ok. Je sais pas, moi, je franchement, je fais pas la diff, hein. Je comprends rien à ce jeu.
C'était... J'avais l'impression que c'était plus simple sur Warzone 1, non, tout ça? Bah, en vrai, non, ça change pas vraiment. Moi, je préfère Warzone 2 de loin. Hein, ok, ok. Au... Enfin, après, tu sais, les goûts, Lulu... Ouais, bien sûr, hein, gens, bien quoi. Sûr. Mais de base, t'aimes bien PUBG, toi, non? Ah ouais, moi j'adore. Mais c'est pour ça, je pense. PUBG, incroyable. D'ailleurs, ouais. Ça se rapproche de PUBG, Warzone 2. Ouais, c'est pour ça, je pense, que tu kiffes. Mm. Parce que moi, de base, j'aime pas les BR, tu vois. Et j'ai bien aimé Warzone 1 parce que... Ouais, j'aime pas, moi. Moi, je suis plus multi, ouais. Tout ça. Et Warzone 1, ouais. J'aimais bien parce que bah, c'était un peu plus un BR, mais bourrin, tu vois. Si ça t'intéresse. Ouais, voilà, c'est vrai, et donc, agité, quoi. Ouais, c'est ça, voilà. Et il se passait tout le temps plein de choses. Le BR d'ici, de Warzone 2, je trouve qu'il est un peu plus lent et beau. Bon. Trop, ah oui, trop BR, lent, quoi. Ça, c'est sûr, hein. Ça, c'est info sûre. Ouais. Après, comme t'as dit, j'ai les goûts et les couleurs et tout, voilà. Mais moi, c'est un peu mon avis perso là-dessus. J'ai un peu du mal avec Warzone 2, j'avoue. Yes. On aime ça, le contrat qui nous emmène vers les ennemis. Moi, j'aime bien Warzone 2, ouais. D'ailleurs, Lulu, les nouvelles armes, tu vas les monter en Orion ou pas du tout? Les nouvelles armes qui sortent le 15, c'est ça? Je l'ai pas. Pourquoi pas? Pourquoi pas, en vrai, Loulou? On pourrait? Ça fait un peu de contenu multijoueur, dit, ouais. Mais j'imagine la trotte. En vrai, Loulou, avec Hogwarts Legacy et fin du mois, le DLC Destiny 2, on verra bien si on a le temps de faire un peu de Call of, quoi. Mais sinon, ouais, ça peut être sympa de retourner un peu sur code. Ces derniers jours-là, comme dit, c'est vraiment, hein, j'aime Warzone 2, mais c'est parce que j'ai tellement bugué, Loulou. Ah ouais, la voiture, là, en face, elle était là, de base, ou pas? Je l'ai pas vue, en fait. Je sais pas, Chino, je crois qu'elle était là de base. Mais j'ai vu un peu que t'avais dû désinstaller le jeu, le réinstaller, c'est ça? Ouais, ouais, c'est ça. Ça m'a fait rager. Et j'aime pas, hein, j'aime vraiment pas, mais j'ai eu une ou deux semaines là. Ah, oh. Oh, c'est horrible. Et y a aucun autre jeu qui te fait kiffer, c'est pas ici en vrai? Bah, attends. Attends. Vas-y, en vrai, j'ai fait d'autres jeux. J'ai fait du Minecraft. Ouais, j'ai vu. J'ai fait. Tiens, je te regarde. Merci. J'ai fait quoi dernièrement? Il y a du monde. Oh là, ouais, c'est bien ce que je disais, il y avait la voiture, c'était pas. Là mort. J'ai joué. Regarde qu'il est pas tout seul, je suis pas avec toi. Ah, ouais, il est au-dessus, là, hein. Deux au-dessus, deux. Je peux pas. Ok. Oh là, ouais. Moi, je vais me faire tuer. Mais pourquoi j'ai eu team wipe sur le solo? C'était deux teams. Parce que ouais, y avait deux squads, t'avais un pélo tout seul, et t'es tombé sur le pélo tout seul. Ah oui, non, c'est moi, j'ai bugué. Je crois qu'il y avait pas team wipe, hein. Non, il y avait pas team wipe, c'est moi qui pense à des trucs comme ça. C'est des bots, ça, d'accord. Salut Ambricia. Et du coup, oui, tu kiffes quand même d'autres jeux, quoi, enfin... Ah oui. Tu te forces pas à jouer que à code, quoi. Ah non, mais moi, quand je me force, lui, je peux pas, hein. On est d'accord, hein. Là, j'ai fait du multi sur un sub-goal. Ouais. J'ai insulté pendant 2 heures. On m'a pas reconnu, j'ai supprimé ma rediff, hein. J'ai fait du League of Legends avec un pote, c'était un autre sub-goal. Je suis restée combien de temps sur League of Legends en insultant? 30 minutes. Une heure et demie et je suis partie. En insultant. Ah non, ah je oui, peux pas faire un jeu, et pas ça, sans insulter, t'es restée quoi, 5 minutes, c'est ça? Une heure et demie, je crois. Sans insulter, non. Elle a pas compris, je crois. Ouais, non, sans insulter. Ouais, bah non. C'est pas un jeu, hein, sans insulter, genre. Ouais, non. Ouais, sur sans insulter, je suis restée. Sur le premier coffre, il y a du monde. Hein. Non, moi vraiment, j'aime trop Warzone 2, mais j'ai juste gueulé à cause des bugs, quoi. Ok. Parce que je laguais et tout, ça me rendait dingue. Oh. J'aime pas rager en plus. Et Squarry, toi, j'imagine vraiment que c'est le moins en moins aussi. Sur la forteresse. Ah bah Squarry. Yes, on aime. Hein. Lui, il aime plus du tout, hein, je pense. J'entends pas Yachiel qui parle même plus, je pas entendu. Squarry. Je demandais, toi, si tu jouais vraiment aussi à d'autres jeux et tout. Enfin, je fais ça, jouer à d'autres jeux. Ok. Je fais que jouer à d'autres jeux, j'explose. Ok, on est d'accord. T'exploses déjà. Mais c'est marrant parce que. Enfin, je croyais être un peu la seule dans le cas et je vois qu'il y a quand même des gros tryharders Warzone 1 qui n'aiment plus. Qui n'aiment plus le trop les jeux. J'aime beaucoup le jeu. C'est les joueurs. Non, mais Lulu, je te rassure, c'est beaucoup de gens. Ouais. Parce que le gameplay me dérange pas, je suis un joueur PUBG de base. Et c'est les gameplays des gens, genre. Quand dans des baraques, soit Signal 50, soit RPK, soit Fennec, soit Kimbo. En fait, à chaque fois que tu prends un fight, c'est toujours le même, c'est vrai, ça qui pète. En vrai, moi je pense que ça doit encore plus casser la tête aux tryharders, aux gens qui sont vraiment forts dans le jeu. Parce que si tu joues à la cool, ça, moi je trouve que ça passe, tu vois. Vu qu'on stream à côté, on anime notre chat et tout.
Ouais. Mais imagine ceux qui streament pas et qui tryhardent le jeu. Ils, genre, ils ont que l'écran du jeu. Il veut faire une pause du jeu, lui. Il en a marre. Moi, je pense que les tryharders, ils doivent en avoir marre, vraiment. Mais c'est pas le gameplay qui pose. Enfin, c'est pas le jeu en lui-même qui casse les couilles, c'est le gameplay des joueurs parce que c'est imbuvable. Mais ça et tout ce qui tourne. En fait, pour que les gens jouent comme ça, on va dire qu'il y a peut-être aussi des mécas dans le jeu qui encouragent pas à jouer autrement, quoi. Donc c'est un peu un tout. Sur Warzone 1, c'était déjà le cas. C'est ça qui m'a frustré de Warzone 1, c'était déjà le cas. Ouais, t'as raison. C'est vrai. Reprends la résurgence, ça me faisait exploser moi la résu parce que t'as à chaque fois 4 dans des baraques. Hein. 4 dans des baraques avec soit des akimbo, soit des SMG cheatés. Ouais, mais de toi à moi, justement, on va dire quand même, on était des bons joueurs, on arrivait quand même à s'en sortir sur Warzone 1. Ouais, ici, tu peux pas t'en sortir. Ouais. Bah si. Moi, j'arrive pas à m'en sortir ici sans les moves et tout. Hein. Moi, j'arrive à m'en sortir, mais en fait, le problème, c'est qu'on les gens se sont trop habitués à un jeu où tu pouvais te barrer de 4 mecs qui te tiraient dessus, sauf que c'est pas normal dans un jeu vidéo. Oui, bien sûr. Après, oui, réaliste-là, je suis d'accord que c'est pas normal, mais justement, Call of Duty, ça a toujours été un peu arcade, et pour le coup, là, on était contents quand même de pouvoir faire des beaux clips, des beaux moves et tout, parce que justement, c'était pas normal. Et ce côté pas normal sur code était bien, quoi. Ça finit par me rendre fou, ça. Ah ouais. Quand c'est le slide dans les fights où tu broques une caméra les gens et que tu peux pas suivre parce que le mec glisse sur 20 km. Enfin... Un mec devant toi qui glisse à droite à gauche, c'est du patinage artistique, c'est pas du jeu. Ce que je trouve dommage dans tout ça, c'est que tout le monde aime Call of. Genre vraiment, hein. Lulu, je t'ai connu, t'as adoré, Chino, Squarry. Ah, mais moi, Call of, ça fait 12 ans que je joue, hein. Ouais. Les gens sont devenus deg du jeu et moi ça me fait de la peine vraiment, hein. Ouais. Mais après, les gens qui aiment Call of, quoi. La frustration de Call of, elle date pas que depuis celui-là. Non. Même avant Warzone 1. Le dernier gros Call of Duty qui était sorti, c'est BO2, hein, qui a fait l'unanimité. Ouais. Advanced Warfare, moi j'ai kiffé, mais la moitié des gens j'ai kiffé aussi. BO3, j'ai pas pu le blairer parce que je considérais que le jetpack que tu pouvais utiliser comme tu voulais, je trouvais ça débile. Mm-hmm. Sur Advanced Warfare, au moins l'avantage c'est que t'avais juste un double jump, ouais, ou un switch à droite ou à gauche, ouais. C'était pas abusé. Là, BO3 ça m'a pété les couilles, BO4 j'en parle même pas avec les compétences, j'ai explosé mon cerveau. Mais ça c'est personnel, moi mon dernier Call of Duty favori c'était BO2 avant Advanced Warfare. J'avais kiffé Ghost par exemple. Alors que bon, les gens... Ouais, j'ai eu un peu le même truc que toi, c'est que j'ai kiffé les codes que les gens ont pas kiffé, c'est marrant. Et ouais, BO3, BO4... Parce que le classé sur ces jeux-là, c'était les meilleurs classés, quoi. Et moi, je faisais du classé, donc... Bah, celui de BO2... Oh, les pas, ils se mettaient dans l'autre sens, non? C'est une blague. C'est une blague. En vrai, faudrait... Je suis trompé par les pas qui vont dans l'autre sens. La gêne. Oh putain. Quel jeu de merde. Pardon, excusez-moi. Non, c'est vraiment un bon jeu. Hein. Quel jeu de merde. Mais ouais, Activision, c'est pas de cette année qu'ils savent qu'ils nous déçoivent. Y a mais tu sais, ce matin, il y a quelqu'un qui me disait BF est encore pire que Warzone. Apparemment, la dernière match est une catastrophe sans nom. Et du coup, on était en train de discuter, on disait, BF et Call of Duty, qui étaient vraiment genre des bangers en jeu, sont en train de fusiller leur FPS, hein. En fait, l'argument, je pense pas que ce soit eux qui bousillent leur jeu, je pense que c'est nous qui en demandons beaucoup de plus en plus. Aussi. Tu regardes, la différence, c'est que BO2, t'avais pas beaucoup de mécanique, tu vois. Pourtant, le jeu était un putain de banger, tu vois. C'est vrai. Il y avait quasi rien sur BO2. Enfin, tu tirais. C'était un banger, mec. Le multi comme zombie. Hein. Dès qu'ils ont commencé à ajouter des mécaniques à Advanced Warfare, ça a pas marché. Ensuite, les gens se sont adaptés avec BO3. Et du coup, leur enlever ça, après, les gens ont détesté. Parce qu'on les a habitués à quelque chose. Je pense qu'on en demande juste beaucoup trop, en fait. Et en fait, je pense pas que ce soit eux qui fusillent leur jeu, même si il y avait pas autant de méta avant, et ça c'est un problème qui vient de Warzone, enfin qui vient de Call of. Parce qu'il y avait pas de méta avant sur les anciens jeux, t'avais des armes fortes, mais tu pouvais jouer tout ce que tu voulais, ça marchait quand même.
C'est vrai que maintenant, les méta, c'est horrible. Il y a que ça tout le temps. Ouais. Tu vois, en fait, moi, ce qui me gêne, c'est que à chaque fois que tu prends un fight, c'est le même fight. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, le même fight. Il n'y a pas d'innovation. Toujours le même fight. Et tu crois pas que c'est le problème des loadouts, ça, justement? Enfin, de pouvoir avoir ses armes et tout? Moi, justement, quand au début, j'avais appris qu'il n'y aurait pas de loadout. Et là, j'étais contente. Et ben, j'étais content. Ouais. Mais comme Blackout, en vrai. Pas une méta, du coup. Moi, j'aurais pensé que le système sans loadout, mais ils ont mis le loadout pourquoi? Parce que la communauté s'en est plainte qu'il n'y en avait pas. C'est ça. À la base, il ne devait pas y en avoir. Les gars, je vous écoute, je cherche à boire. Nous trouvons qu'il est difficile de chiffrer la durée de vie. Ils vont même réduire le prix car tellement les gens se plaignent qu'on puisse pas avoir le loadout facilement. Oui, mais ça va être encore pire. Hein. Mais oui, mais il y aura pour une première partie, mais en fait, les gens se plaignent du jeu et font tout pour rendre le jeu encore pire. Oui, c'est ça. Au bout d'un moment, faut pas se plaindre de ce qu'on a. Il y a énormément d'heures à faire, Loulou, sur Hogwarts Legacy, c'est ça? C'est trop bien. Après, moi, le jeu me pompe l'air parce que c'est toujours le même fight. J'en peux plus. Oui, c'est ça. En vrai, c'est. Ici, le souci, c'est que tu peux tomber sur un mec sur qui tu vas devoir mettre le chargeur complet de RPK alors qu'en 3 balles, il va te finir arme à plaque égale, je précise. Et j'exagère même pas pour donner l'exemple. Oui, mais j'ai ça aussi, Nico. Genre, c'est quoi ça? C'est le script alors? On reparle d'un script là. Franchement, les Call of étaient top avant les débuts de Warzone, mon avis perso. Ouais, mais je comprends, Jojo. Il y en a plein qui ont le même avis, toi. J'ai arrêté l'école après le premier où on pouvait sauter sur les murs avec les exos. Avant, il y a toujours eu des méta, et les gens ont toujours joué des méta. De mener payant. Avant Warzone, on parle. Avant Warzone. Ah oui, on parle de avant Warzone, c'est pas ici. Ah non, moi je parle de Warzone. Warzone, il y a toujours eu des méta. Ah oui, bah oui, ça a toujours été casse-couille, les méta. C'est juste que les méta, elles duraient pas autant maintenant. Là, ça fait 3 mois qu'il y a la batteuse, ça n'a jamais. D'ailleurs, les gars, vous savez ce que je vais prendre comme maison ou pas dans Harry Potter? Parce que moi je sais déjà. Devinez un peu qu'est-ce que vous pensez que je vais prendre comme maison à Harry Potter. On a mangé 6 mois, tu pourrais me coucher sur Warzone. Mais BO2 c'est encore avec les serveurs, non? Je crois, Jojo, ouais. Après, c'est normal d'en vouloir de plus en plus. Tout évolue trop, du coup, ouais, c'est 2, naturel c'est d'attendre. Oui, mais dans plein de choses, ça, Nico. Pas que dans les jeux vidéo, en vrai. Ah ouais, mais c'est ce que je dis. Pas que dans les jeux vidéo, Nico, et j'en parlais justement, même au niveau du contenu. Les gens, maintenant, quand tu fais une petite annonce. Qui était grosse avant, mais maintenant c'est devenu une petite annonce parce qu'en fait il nous faut toujours plus. Il faut la qualité, le contenu, les annonces, les. Il faut toujours plus quoi. Le jeu en lui-même, le jeu en lui-même il est bon, mais il y a. Comment vous savez que je vais prendre Poupsouffle? Mais oui, c'est ça, ouais. La maison avec les plantes et tout, la forêt. Le problème c'est qu'ils mettent pas de classé. S'ils mettaient du classé, ça réglerait beaucoup. Il y a du monde à mort, à mort, à mort. Ouais. Merde. Oh là là, c'est catastrophe les gars, il y a du monde à mort, à mort, à mort, à mort au secours. Mais... C'est dingue. Pas sur moi, hein, c'est genre en face. Hein. Là-bas au bout, là-bas, là-bas. Ouais. Oh, vas-y. On a eu un deuxième. Oh, vers les cuves, vers le shop. Il y avait un mec. Il y en a un snipe, non? Bâtiment... Wouah! Non, mais c'est. Ouais, j'ai, c'est pas... ça, j'ai vraiment pas des armes ouf, hein. Oui, vraiment. C'est vrai. Avant les jeux, c'était plus fini. Ouais, mais parce qu'avant, il y avait moins de trucs dans les jeux. Fuck! Parce qu'il y avait un Call of tous les. Comment vous saviez que je vais prendre cette maison, les gars? Moi, je prends le standard! Allez, là, on va. La vie de créateur de contenu est devenue horrible en termes d'attente. On s'attend à une qualité digne d'une maison de production Marvel ou Disney, alors que ce sont des amateurs qui font du contenu en leur temps libre. C'est ça, Nico. Et ça met une pression de ouf, hein, parce qu'en fait, t'imagines que je stresse. Mec, Nico, je stresse quand je pose du contenu. Je devrais pas stresser quand je pose du contenu. Je devrais juste être fier de mon travail. Je stresse de savoir si ça va plaire aux gens ou pas. T'imagines, mec? C'est pas normal, ça. Hein. Quand j'ai une annonce à faire, je stresse. Quand j'ai du contenu à sortir, je stresse. Parce que, genre, je sais pas si ça va plaire, je sais pas si c'est à la hauteur. Allez, vas-y, mais regarde le gameplay. C'est pas normal, hein. C'est vrai. Bien joué, Scott. Blackout. Moi, j'avais aimé Blackout. Ah, mais Blackout, incroyable. Hein. Moi, j'avais trop kiffé. Et Square, il a pas aimé, tu vois. Ah, j'ai pas aimé, je trouvais ça genre. Mais c'est là où on s'est rencontrés, je crois, Square. Bah ouais, après c'est, ah oui, c'est là où il y avait le système de compétences, le système de machin, le système de trucs et je déteste. Ah si, ça, moi je découvrais Call of et tout, c'était trop bien. Sur Blackout, les hein?
Le blackout. T'avais des trucs, des grappins et tout, merdier. Ah oui, ok, oui. Il y avait des grappins et tout. Non, mais pas sur blackout, sur Black Ops. Blackout, c'était le BR. Aussi, hein. Il y avait les grappins. Oui, ah oui, oui, ouais, il y avait les grappins. Oui, 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 il y avait des tiros. Ouais, c'est vrai. T'avais des trucs qui me plaisaient pas. Après, c'était juste pour te replacer en vrai. C'était pas un grappin comme genre sur Fortnite où tu passes d'arbre en arbre, quoi. Ouais, mais je sais pas. Les jeux avec compétences, la majorité du temps, ça me. Super people, je lui chie dessus. Hein. Ouais, genre Overwatch, t'aimes pas du tout. Je déteste ça, Apex, je déteste. Ah, j'ai joué okay, Apex, okay. Non, Apex, trop bien. Bah, moi, il me dégoûte le jeu Apex. Bah, ouais, Apex, moi, j'aime pas ça mais non moi, plus. Moi, je suis vraiment une joueuse BR. Ah, je vais essayer Carnage, hein. Je veux une production digne d'Avatar pour tes vidéos. Je donne tout, les gars, je donne tout. En FPP, je pense qu'il sera kiffant Fortnite. Je donne tout, les gars. Le jour où il sort en FPP, je pense que je vais aller jouer, tu vois. Mais c'est bientôt là, non? Ouais, ça devrait pas tarder, en tout cas. Ouais, je pense. FPP no build, je pense on peut s'amuser, tu vois. Ouais, j'avoue. Mais ah oui, en no build, Apex, c'est trop bien. Bien, vraiment. Apex, putain. Ouais, moi, tu vois, j'aime pas. Tu montes sur le toit, Squarry. C'est un jeu skillé, hein, vraiment. Bah, skillé, il est pas sur le toit. Hein. Nice. En plus, il faut 208 balles pour tuer un mec sur Apex. C'est... Ouais. Je prends sa thune. J'avoue tellement. Non. Son quoi? Non. Ah, merde. Chino, t'avais la vue sur eux, dommage. Je venais de la voir. Non, il y avait le drone hyper avant, mais c'est pas grave. Killer B, c'est un. Ah, mais je comprends. En vrai, je comprends, hein, Nico. Déjà que naturellement, je mets seul une pression de malade quand je fais quelque chose, donc je sais que ça m'aurait rendu mal. Mais moi aussi, justement, je suis quelqu'un qui se met beaucoup la pression parce que je veux toujours faire mieux. Je veux toujours être au top et tout, c'est un problème. C'est un problème quoi, c'est pas quelque chose de bien. Enfin, c'est bien et c'est pas bien quoi, c'est plus pas bien que bien. Mais je veux toujours plus quoi, je veux toujours. Je veux toujours être au top quoi. Je veux toujours être au top et ça met une pression énorme quoi. Ils sont tous morts. Je me suis fait par une autre squad. Ils étaient, tu sais où ils étaient dans des buissons. Bah ouais, le gars qui était contact à moi, il faisait pas de bruit, marchait à côté. J'ai envie de pleurer, hein. J'ai l'air rien. En plus, je me fais achever par une autre squad, je sais même pas lequel mec m'a achevé. C'est horrible, hein, vraiment. Ça me. Oh, quoi? Attends, parce que le. Mais quoi? Mais quel jeu? L'arbre, il me bloque, je peux pas passer. C'est bon. Encore une fois, ces gens-là, ils campent pourquoi? Parce que c'est le jeu qui est pas bon ou... non, ah oui, avec un nombre d'utilisations limité. C'est vrai, là. Ultra, t'as raison. Bien vu, chef. Parce qu'il a des collègues. Il a surtout rien dans son sac, donc il vient de respawn, à mon avis. Okay. Ou alors, genre le mec, il loot pas, quoi. Impossible, non. Bon, j'aimerais bien aller à un shop, moi. Je peux peut-être aller derrière pour aller chercher mes armes. Mais non, je comprends totalement, Nico. Franchement, c'est pas évident. Hein. Heureusement que j'en ai pas fait mon métier, quoi. Que je fais du, que c'est du kiff avant tout, tu vois. En vrai, ah, faudrait Réa, en fait. Je Réa. Ouais, je l'ai déjà looté, la fortune. Attends, Squarry, si t'as pas besoin de ta thune, je veux bien. Du coup, j'ai Réa, soit ici. Mais ouais, vas-y, prends. Merci. Vas-y, j'arrive. Du coup, j'ai été rechercher le stuff que j'avais. Je me prends deux. T'as ta deuxième arme, Squarry, c'est bon? Ouais, j'ai les deux. Ça marche. Moi, je vais me prendre mon fantôme. Moi, je vais prendre mon fantôme directement. Ça marche. Tiens, Chino. Bah, laisse-moi de l'argent. J'achète mes armes. Ah, ouais. J'ai lâché 1000 là, si jamais. Ah. Bah, mais je crois qu'il m'entend pas chez nous. Si, si, je pense. Il est en train de réfléchir là, je pense. Ouais, moi je viens de prendre mes armes. Moi j'ai pas, hein. J'ai lâché 1000. Merci. Bah, prends une arme, parce que moi j'avais pas mes armes, j'en ai aucune des deux. Ah, mais je pensais que t'avais tes armes, c'est pour ça. Bah non. Ça, je me dis, on veut me racketter ou ça se passe comment là? Je sais pas, moi je suis les gars. J'ai qu'une seule arme, hein. Et 75 balles, c'est tout ce que j'ai. Okay, des balles, je peux en lâcher, hein, tiens. J'ai une boîte de mine. Ah, bah, t'as. Armes du sol, du coup. Moi, j'ai qu'une arme. Il a une boîte de mine. Ouais, si. J'ai deux armes, ok. Nice. Pas de SMG, il y a du monde là-haut, hein. Ok. Ils ont pas la zone. Hein.
Ils ont déjà rotate. Où ça? Je sais pas, ils sont plus là. Je vois personne pour l'instant. Ah non, je pense qu'il y a personne dans le bâtiment là. Ouais, il y a personne. Vas-y, Gozen. J'ai mal aux yeux. J'ai une RPK, mec. Avec un accessoire dessus. Je peux pas faire grand chose avec ça. Une du sol ou de quelqu'un? Ouais, c'est une du sol. Hein. J'ai pas mes armes, moi. J'ai une Fennec complètement full, mais ça va. Donc j'ai une SMG pour jouer de près, mais alors de loin, comptez pas sur moi. Hein. La RPK, elle bouge dans tous les sens, celle que j'ai dans les mains. Fais un effort, Chino, merde. On m'a racketté mon argent, j'en peux rien. Oh. Les colis à tête, ça zaïa, wesh. Plus loin. Toujours plus loin. Arrête, Chino, j'ai des frissons quand tu chantes. Mais pas les frissons pour ce que tu crois, hein. J'ai envie de gerber. De ouf. T'imagines, je te dis, ta voix me fait de l'effet, mais en fait, genre, tu crois que toi, c'est un effet positif en mode ah ouais et tout. Moi, je sais, genre, pas le même effet, genre. Quelle horreur. Tiens, Chino, je vais te lâcher mes sous. Si on passe à côté d'un shop, t'auras de quoi t'acheter une arme. C'est quoi le truc à côté de nous? Ouais, c'est quoi ça? C'est un bug, elle est là à chaque game. Encore un bug, EB. Chaque game, il y a une frappe. Ouais, ici. Ben. C'est passionnant, moi j'aime bien. On exploite les bugs Warzone. Aïe aïe aïe. Trop cool. Rejoignez la zone de sécurité. Femme. Femme. Que je t'aime. Je t'aime. Je te dédie ces mots. À toi. Rien qu'à toi. J'ai envie de vomir. C'est de l'autre côté, ouais. Ouais, 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 c'est vrai. Je me dis plus vers ici, moi, mais je suis pas sûr. J'ai envie de manger des lasagnes. Spaghetti bolognaise. D'accord. Oh. Moi, j'ai envie de manger mes morts, là. Ah. Hier, on a fait une tier list. Ah, il y a un mec là, contact à moi, Scory. Ok. Dedans, dedans. Oh, mais il a 10 P, ça y est, frère. Allez. Oh là là. Il est mort ou pas? Il a bougé, non, il a bougé. Oh, les mines. Enoch. Oh là là, gueule. Miam 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 miam. Guilty bag lui. Il est où? Il est mort, il est mort. Hier avec mes potes, on a fait une tier list en tout son stuff, vocal. Mec, il avait des frappes, des autoréas, des boîtes de mun, mec. Oh, ça bah, nous snipe, ça nous snipe. Ouais. Ton poids. Crac. Je suis down. J'en craque un. Ils sont trois. Je remonte, je remonte. Crac. Ils sont où? Ça push, ça push, je crois. J'ai des cracks. Hein. Je t'en mets une deuxième, c'est pas ici. J'ai plus de plaques, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas ma game, on va pas rager. Watch, 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 il prend pas des dégâts, il prend pas de dégâts, c'est un truc de fou. Hein. J'ai des cracks. Il craque, 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 craque. Mais frère, combien de balles il te fout? Appuie. Knock. Nice. J'ai squaré. Y'en a un autre chez moi. Au-dessus, hein, celui-ci. Je vois pas. Il est là au-dessus. Je lui mets une frappe à me. Y'en a un qui m'a contourné, les gars. J'essaie d'arriver. Mais... Je vois pas, squaré, désolé. Je sais pas où Si c'est le gars qui m'a eu, moi. Je sais pas. Vous avez Nox, celui qui t'a tué. Je sais pas où j'ai passé. Les héros, ils sont passés. Je sais pas, je les vois pas vraiment. J'ai plus de plaques, moi. Ils étaient sur le toit quand j'ai vu la dernière fois, mais. Crac. Knock. Lance une frappe. Tiens, des. Trois plaques là. Hein. C'est mes trois dernières. Hein. C'est pas les ramas. Trois knock. J'achève. J'en ai knock un sur moi, mais c'est une autre team, je crois, ou je sais pas. C'est bizarre. Ouais. Attention sur le toit de Zaya, derrière la grosse bulle que vous avez là, il y avait trois mecs. Hein.
Je vais aller tuer un, moi. Je comprends pas. Frère, vous êtes où? Vous êtes qui? Ouais, c'est relou, je suis d'accord. C'est trop horrible. Putain. On les voit pas. Entre ça et les gars qui prennent pas des dégâts. Oh là là, là là, mais c'est bon. En face de toi, je vois ici. Un deuxième, je crois. Un deuxième, ouais. Et un troisième aussi. Oh, ils mais la trois, gueule. Knock. Je mets une frappe. Un crack, un dernier. Le dernier doit être dans le hangar. Mais il est crack, ouais, il est crack. GG, bien joué les gars. Et c'est pas la même team qui a tué Chino. Hein. Non, 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 c'est pas la même squad, c'est grave. C'est une autre team. Ah, je rage jamais, mais là la game. Non, mais moi je comprends en vrai. Donne-moi tes sous, toi, si j'essaie de faire au moins une réa. Je peux pas te donner les sous, je peux pas, c'est bloqué. Tiens, prends mes sous et on va aller là. Réanime le premier, je passe, c'est moi ou Lulu, vas-y, spécif. Thanks. Putain, ils étaient tous pas bien. Comment ça m'a cavé, gros, je vais vers 40. Ça spawn, ça spawn. Ici. Où ça? Au ping. Sur le toit. Il me frappe, s'il avait récupéré son stuff lui. Il knock du coup sur le toit. Pourquoi je peux pas? Qui c'est qui fait ça dans ma chaise? Je les vois pas. Ouais, il est knock au-dessus de moi. Il meurt pas, hein? Non, non, mais c'est un knock, il est mort. Ok. Il y a la zone, les gars. Merci. Tu veux une boîte de mine? Ouais, je veux bien, s'il te plaît. Merci. Bon, on a réussi à s'en sortir pour une fois. Donc, c'est pas ma game, mais let's go. On avance. Bon, t'as le mec à tuer Chino, je sais toujours pas où il est passé ce soir. I don't know. J'avais moi, je vais aller. Ah, on a notre loadout là. Quoi? Oh, t'as pris un truc. Non, que t'as ouais, pris... Elle a pris un truc, non, c'est mais... violent. Hein. Ouais, ouais, faites gaffe. Hein. Là. Impossible de descendre, impossible. Attends, très chelou le mec, attends. C'est pas ma game, je vous ai dit c'est pas ma game. On connaît trop bien le jeu. Oh là là, bah ils sont... Ouais, c'est toute une squad, ils sont tous là en dessous. 3 knocks avec ma frappe. Nice, bien joué ça. J'avance, hein, j'en profite. Wesh, c'était quoi eux? Un HV1. Hein. Sur le toit et serré, hein. Ouais. Allez les frérots, descendez. Il y a une frappe, il y en a qui sépara là. Derrière, ouais. Vers où, vers où? J'envoie un deuxième là. Mais pourquoi mes armes sont en rafale? Ça fait déjà deux games que j'ai mes armes en rafale, c'est quoi ce bordel? Oh, votre jeu est dans un état, Activision, merde! Les gars, ça fait déjà deux fois que j'ai mes armes en rafale! C'est quoi ce putain de bug? Ah ouais, mais trop, mais... Non mais c'est grave! Oh merde, mais t'as fait une belle game non? T'avais 10 kills. Oh, mais frère, c'est grave, mais tu m'as fait. Ah, je vais faire pipi, ouais. Mais là, c'était pas les gars qui étaient au-dessus, là, justement, qu'on cherchait. Je sais pas. Pourquoi j'ai mes dégâts et pas mes kills? Je vais mâcher dessus. Y'a un mec qui s'appelle Jacques Facial, frère. Jacques Facial. Non mais... Ils sont ravagés dans ce jeu. C'est grave.
Eh les gars. Ah merde, attends, je suis mutée. Eh les gars. Ah merde, ouais. Spicy est mutée. Attendez, je vais attendre qu'elle soit démute, je voudrais bien vous dire un truc. Yip, yip. Ah les gars. Ouais. Eh. Il est bien le jeu, putain. Il marche bien. Oh, j'en peux plus. Mais ça fait 3 games, mes armes elles sont en rafale. Mais c'est pas normal ça. Mais non, et j'ai en plus, je peux pas les. Logique. Oh putain, au secours quoi. C'est bizarre. Dès que je ramasse une arme de quelqu'un, elle est en rafale d'office. Oh merde. Ah ouais, horrible. Arrête d'appuyer sur la touche pour chanter. Mais je le fais pas, Nico, putain. Tu... Nico, aide-moi. Oh mon dieu, ce jeu. Peut-être que tu tombes sur des mecs qui jouent. Non, mais sérieux, Loulou, à chaque game, ce sera incroyable quand même. La coïncidence, genre. Il y a de plus en plus de cheaters sur le jeu parce qu'il y a un nouveau cheat pas cher de sortie, jure. Ah ouais? Oh merde! C'est le prochain. Mais non, Loulou, sérieux? Nanina. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas encore vu le post photo d'hier, les gars, sur Instagram? Ah, Olive, il m'a répondu. Magnifique photo. Merci, Olive! Je réponds, hein. N'hésitez pas, hein, les gars, à commenter et tout, à liker. La story, apparemment, a l'air de vous plaire, hein, par contre. Beaucoup de réactions sur la story, je suis contente. Échauffez-vous un peu, on va bientôt partir. Ah ouais, vous kiffez la story! Trop bien. Ah ouais, mais vous êtes au taquet sur Instagram en fait, je me rendais pas compte. Tout le monde est prêt. Warzone vous attend. Ah ouais, mais vous êtes trop chaud. C'est trop bien, hein. Je suis venue sur le stream juste après avoir vu ta story. Ah ouais, Jojo. Ça t'a donné envie de venir, genre. Trop bien. Et est-ce qu'il y a encore des gens qui n'ont pas encore reçu leur colis Oli là? Parce que vendredi, il y a beaucoup de gens qui ont reçu leur colis d'un coup. Genre, il y a eu 5-6 personnes qui ont reçu leur colis vendredi. Et normalement, aujourd'hui, bah, vous devez encore en recevoir des colis. J'en ai entendu parler sur plusieurs streams. Donc, certains cheatent maintenant où ça fait crash le serveur complet. Tout le monde cut la game. Oh putain! J'ai eu l'annonce aujourd'hui d'envoi via DHL. Ok, Nico. Et t'es belge, toi, Nico, c'est ça, hein? Si t'es belge, Nico, tu dois connaître le Télévi. Et donc, ma prochaine annonce, ma plus grosse annonce sur les réseaux sociaux de cette année, tu vas la kiffer. Tu vas être choqué, je crois. Tu vas être choqué. J'ai reçu tout à l'heure, mais t'as pas dû... Ah non, j'ai pas vu Polo. T'as reçu ton colis, c'est bon? Tu l'as mis sur les réseaux sociaux? Tu l'as mis sur Discord ou Twitter ou Instagram? J'ai pas vu mon petit Polo. Mais super, t'as reçu. Super, super. Super ça. Super mon Polo. T'avais pris quoi toi, Polo? Je sais même plus, frérot. Il y avait du monde chez nous. Oui. T'as pas encore commandé du tout, toi, Loulou, depuis le début? Ça, quoi, ça te tente pas? T'es dubitatif? T'hésites? T'as pas envie? J'avais participé il y a quelques années à un tournoi de tennis de table en faveur du côté de Lézine. Ouais, ce qui semblait être à l'autre bout du pays pour moi. Ah ouais? Mais t'es pas prêt. T'es pas prêt du tout. Putain.
Cette année va être incroyable, mon petit Nico. Tu vas être choqué. Il est monté chez moi. Au-dessus de moi. C'est qui a cassé une vitre? Toi, soit ici? Non. Alors, il y a quelqu'un. Ouais, il y a quelqu'un sur nous. Ouais. C'est pas moi, la vitre, Chineux. Je vous mets un drone. Drone. Wesh, mais. Ça coche les gars sur moi? Y'a personne. Ouais, c'est le gars que j'ai tué. Ah non, c'est pas le gars que j'ai tué. Mais quoi? Mais c'est qui qui a cassé la vitre alors? C'est pas moi. Moi, ouais, j'ai pas cassé la vitre. Hein. Bah, moi non plus. C'est ça que j'ai trouvé ça bizarre. Moi, dans un bat, je me suis pas rendu compte. Imagine. Depuis tout à l'heure. Je peux vous donner de l'argent, les gars? Ah, y'a un mec là. Ouais, voilà. Il monte. Ouais, lui, il est en train de monter, lui, par contre. Ah, il est sur le toit déjà. Ouais, il est sur le toit déjà. Il monte, les gars, faites gaffe. Ouais, je crois qu'il monte. Il monte. Ouais, il monte. Les gars, il est monté. Ouais, je rouille. Il monte. Je crois qu'il est monté, les gars, mais pas sûr. Et là, il monte encore, non? Coucou, mon ref. Ça va, tranquille, tu fais ta vie. Là, il descend. Ah, il monte au paradis. Il y a sa team qui va arriver de là, je l'ai lu. Ça marche. 28 holo. Pourquoi? Quel est ton record de kill? Je vais prendre la prime, je crois. Alors, sur le Twitch Game, qui est la plus grosse niveau 9? On va demander à Spicy. Tiens, Lulu, c'est quoi ton record de kill? Alors là, sur Warzone 2, aucune idée parce que comme j'y joue jamais, je sais pas. Tiens, je te donne les sous. Tiens. Waouh! Je rends ceux d'avant. Hey, Spicy! Oui. Tiens. Oh waouh! Wow. Par contre, j'ai pas mes armes. Si jamais on passe près d'un shop, tu ah, me les rendras. Viens, on va au shop derrière. Vas-y. Il y a un camion qui se balade près du stade. Près du quoi? Du stade. Des bisous, mon petit Sissu. Bon appétit. Du stade. Et bonne journée aussi. Gros bisous, Sissu. Gros bisous, mon Sissu. Et Cetox aussi. Gros bisous, mon Cetox. Bisous, les gars. Bon appétit à vous. Bonne journée, les gars. Marseille, gros bisous. Voilà, il est plutôt. Bonjour Karl, ça va et toi, tu vas bien? Ah, il y a un véhicule buggy. Ok, let's go Polo. Et le pêche, tu l'as goûté ou pas? Mon préféré, l'ours. Non, c'est pas mon préféré ça. Ouais, Jean-Eudes, ça va comment? Ça va quoi, Jean-Eudes? Il veut me mettre un doigt. Ah, il veut te mettre un doigt? Attends, quoi? Hein? Hein? Si, il a dit, tu veux. Attends, quoi? Attends, quoi? Il a dit une dinguerie là, on est d'accord? Ils sont combien? Attends, il vient de dire une dingue. Il y en a encore un à gauche là. Non mais. Oui, j'ai vraiment entendu ça, on est d'accord. Il voulait mettre un doigt à quelqu'un et je croyais qu'il voulait mettre un doigt à Squarry, moi. Oui, il voulait nous mettre un doigt, mais on leur a mis un doigt là. Je suis trop déçu. Ils parlaient entre eux, genre ils disaient je vais lui mettre un doigt ou je sais pas quoi. Mais what the fuck. Bah écoute, hein, le doigt on l'a pas vu. Hein. Ah et en plus je crois que c'est eux qui ont ton boulag. Ah non, peut-être pas, je sais pas. Je crois pas c'est bon. Ouais, ce que je disais. Bah, si c'est eux, demande-leur si tu veux mettre un doigt. Non, je crois pas que c'est eux du coup. Oh, putain, mais les larmes gros. Et l'autre est crack. Ah, je suis pas avec vous en fait au boulag. Si c'est eux, bien sûr que c'est eux. Ah si j'ai tué les deux. C'était eux. Oh putain. Boulou et oh là là. Oh mais les larmes les gars. Vraiment hein. Oh Jody qui fait une apparition furtive. Comment ça va ma belle? On va mettre là la caserne. Bisous aussi, si, bisous Cetox. Oh ouais aussi. J'ai une frappe. Ah mais Loulou, j'ai pas vu ton message du coup. Que t'étais tenté. Si ça me tente, mais tant que je suis en arrêt maladie, j'attends. Quand je recommencerai le boulot et que je gagnerai un salaire normal, je commanderai. Ok, ça marche. Ça marche. T'inquiète Jody, c'est gentil. Y'en a un autre qui a comment plongé. Tu vas? Y'en a encore un autre dans l'eau. Knock. J'ai mis le mortier là-bas. L'autre est là-dedans. Ok, attends je me plaque, j'arrive. Ah.
Là, c'est pas grave. J'ai pas une sacoche. J'arrive. Ah non, mais sur le toit. Putain. Hein ? Chez moi, y'a un mec là. J'essaie de trouver une sacoche, moi, mais. J'en ai craqué un dessus. Impossible de trouver une sacoche. Un mec chez moi. Ok. Moi j'ai pas push, hein, on avait la zone. Hein. Ah ouais, moi j'ai pas push non plus. Mais moi j'étais en train de discuter, je pensais que t'avais push, désolé, j'ai pas fait gaffe. Un mec chez moi. Touché en face. Ils sont deux, ils sont deux. Bien joué. Normalement tu peux les acheter, c'est les deux derniers. Ah, c'est bon. Vous avez une boîte de mine ou quoi, les gars? Parce que j'ai pas de mine. Non. Genre, j'ai des mines, faut quoi comme mine? AR. Merci, mec. Vas-y, je vous ramène des trucs. Je vais les tu veux un whisky? Oh, juste un doigt? Tu veux pas? Ouais, ouais, le... Je l'ai encore entendu hier en plus, je sais plus pourquoi, mais je l'ai entendu ça. Là, sûrement une trend, un truc sur TikTok. Bonjour, Dr. Pick. Ah, super, merci. À mon point, il y avait. Oui, ça va, super, merci, jeudi. Je vais bien. Je vais bien, je vais bien. Du coup, il y avait la prime qui était au ping. On va essayer d'y aller. J'ai pris le pack découverte OG Energy et le découverte Ice Tea. Le joueurs, tout sans checker, vu que j'en ai déjà 4 ou 5. Oui, t'as raison, Nico. Hein. Prends pas des checkers, ça en a déjà, hein, bien sûr. Ouais, y a une mine dessus, t'as bien fait. Hein. Oui, j'ai des auto-rayers, mais je crois que vous en avez déjà. Oui. Oui. Par contre, je suis pas à fond en plaque là. Du coup, les gars, c'était. Il y avait peut-être du monde ici. Ouais, il y a des mines et tout. Il y a deux sacs ici en XT de loot. À mon avis, ils ont avancé vers la zone. Hein. Soldat ennemi en approche, ça spawn. Là. Okay. Bah, lui, il est pas en zone. Hein. Il a sauté, il a sauté. Il vient de sauter, là, en bas. Il est en bas, ouais. Bon, moi j'avance vers la zone déjà. Ça marche, Audi, des bisous du coup. Là, et il fait quoi là, lui? Désolé. Tout va bien, je me casse, elle a dit ok, ça va. Bisous. Mec, je l'ai même pas vu, il était où lui? On l'a même pas vu au drone. Je vais stocker une sacoche au cas où. Qui sont ensemble le dessous de verre IC gratuit. Trop bien, Nico. Mais bah, tu nous feras des photos dès que tu reçois. Hein. Faites attention. Hein. Si tu nous, ouais, bizarre, si tu veux, tu fais des photos, tu mets sur Discord dans le channel Holy Squad, comme ça, bah, tu montres que t'as eu ta commande. Et en plus, tu veux me mettre sur Twitter ou Instagram, bah, tu me tags et je reposte moi. Donc voilà, il faut pas hésiter. Mais trop hâte que tu reçoives ta commande. Et j'ai trop hâte de recevoir la mienne aussi parce que je vais tester pour la première fois une bouteille en verre, les gars. Holy m'a envoyé une bouteille en verre. Y'a des mecs sur moi, j'en ai tué un. Je sais pas où sont les autres. Vas-y, j'ai ramassé une sacoche pour toi après si tu veux ici. Oh merde. Il est en bas. T'as un safe dex. Ouais. Je peux venir sur vous. Y'a une sacoche là si tu veux. Attends, je vais récupérer mes affaires en vrai. Il est derrière la maison, derrière la maison. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'avais ma boîte sous étoile. Nice, bien joué. Nice, nice. Je lâche une sacoche. J'ai ping une sacoche, les gars, aussi. Ouais, je vais la prendre. Vous avez vu des armes ou pas? J'ai plus d'armes. Ouais. Des tags V, il y a un peu de tout ici. Ça va, ça va. Il y a des plaques aussi ici. Gardez l'argent pour. Un masque aussi. On a les sous. On cache une classe après. Ouais. Oui, on a les sous. Je suis fier de moi, j'arrive à animer mon chat, faire des kills. Pas mal. J'ai plus de balles, hein. J'ai une TAC et une. En Belgique, il faut combien de temps pour être livré? Ben ça dépend en fait, ça dépend totalement, Loulou, parce que ma dernière commande que j'ai, qu'ils m'ont envoyée et que j'ai reçue, je l'ai reçue en même pas deux jours. Genre j'étais choquée d'ailleurs quand le facteur a sonné, j'ai fait attends quoi déjà? Et donc je leur ai dit à Oli, j'ai dit là la commande elle est arrivée super rapidement, donc voilà. Et sinon ben en général, ouais 4-5 jours quoi. Je dirais ouais 4 jours, 4-5 jours maximum. Une semaine grand max quoi. Le plus ça a été une semaine, le plus court ça a été deux jours, voilà. Il y a la cache de munitions à droite si jamais. L'odeur quand tu ouvres le sac pêche. Par contre le goût, je suis pas fan, je vais mettre au frigo, je remonterai bien frais. Je regoûterai bien frais tout à l'heure. T'es pas fan du pêche? Ok. Pourtant c'est un vrai iced tea pêche sans sucre. Hein.
Mais ok. Mais ouais, ça sent fort la pêche hein, quand tu ouvres le sachet, ça sent trop bon. J'adore moi. C'est mon top 1 les gars, le nouveau pêche. Top 1. Le mec, il m'a tué avant, il a pop de je ne sais d'où. Je finis de faire la dégustation de mes houlis et je ferai un retour après. Ça marche, Jojo, avec plaisir. J'ai hâte d'avoir ton retour à toi, vu que tu m'as expliqué un petit peu ton expérience dans toutes ces boissons-là. J'ai hâte de savoir, tiens. Ils sont en train de traverser, non? Ouais. Oh, je suis pas passé au shop, moi. Allez, le shop! Je peux pas ouvrir le shop. Ça me dit que je rageais pas. Couché avec la frappe. Je peux pas ouvrir le shop. Bah, le shop. Je meurs. Ouais, bah. Je suis désolée, les gars, je ne peux pas ouvrir mon shop. Donc j'ai perdu mon stage. Ah oui, ils sont en train de courir. Attends, Spacey, t'inquiète, on va te réanimer, Bichette. Je me fais tirer dessus! À gauche, Chino! Ah, t'as du monde à droite et du monde à gauche. J'avais dit que je ne rageais pas pour le bug. Hack. Inter. Je l'ai fini. Un smoke dehors. Smoke était claqué là. J'ai pris une balle de snipe de derrière. Ouais, je m'en doutais. Un crack dans la maison. Je suis Motoréa du coup. Je suis Motoréa. Du coup, il y avait du monde sur la gauche. Moins un chez moi. Ok. Ma gauche là. À ta gauche, Lulu. Ah ouais, ok, j'arrive. Fais gaffe, Colin, il y a toujours du monde. Hein. Je suis là. Il sortira plus. Pas. Vas-y, mec, sors. Il était crack, hein. Noc. Mort. Ok. Ça coche ici. Une boîte de plaque sur lui, le gars. Je prends. Ouais, ça, faites gaffe, hein. Ça nous snipe. Hack. Bien joué. J'en profite que tu snipes, j'avance. Un autre crack. Un autre crack. J'ai repris une sacoche de plaques pour que ce soit ici du coup. Après t'inquiète hein, Polo, les goûts et les couleurs, c'est pas parce que moi c'est mon top 1 que ça doit être ton top 1 à toi hein. Peut-être Polo, peut-être que t'as encore le goût de l'ancien que tu viens de goûter, ouais. Tu verras bien, hein, t'inquiète. Hein. Je comprends pas pourquoi je touche. C'est pas parce que moi je kiffe que toi tu dois kiffer aussi. Hein. Les goûts, les couleurs, c'est différent quoi. Ah, je veux l'évasion. Je commanderai pour en avoir un pour le recommencer le boulot le 1er mars alors. Ah, bah let's go, hein, Loulou. Mais au pire, Loulou, pour pas te ruiner, il y a les packs découvertes de toute façon. Moi je te conseille d'abord le pack découverte. Tu prends le pack découverte mixte et tu goûtes au moins. Vraiment, Loulou. Ne prends pas directement un pot d'un goût, hein. Tu prends le pack découverte et tu goûtes d'abord. Ça coûte. Si tu prends pas de shaker, ça te revient à 12,99€ avec le code. Donc 12€, c'est pas du tout ruiné, hein. Et tu peux déjà tester vraiment bien, quoi. Devant, ouais, toujours Colin, ils vont tirer dessus là. Nice. Je vais à mon folie, les gars. J'ai une sacoche de plaque pour toi, soit ici après. Hein. Il saute. Ouais, il va aller poser. Je l'ai touché deux fois violet. Il s'est allumé par un petit peu. Par contre, j'ai pris une balle. Là, y'a un mec là-dedans, là. Ok, ouais. Y'en a un sur le toit. Let's go, c'est Tox. C'est gentil, ça. Je me parle. Y'en a un qui. Bon appétit à vous, hein. Bon appétit. Oh, ce que je touche, mon dieu. Y'en a un knock en bas, y'en avait un crack sur le toit, mais il va sûrement rien en bas, le mec. Oui, j'ai entendu. J'ai entendu une réa dans le bat. Ça colle à mort. Au-dessus, y'en a toujours un. Y'en a un crack au top. Il colle qu'on est français, hein. Il a call qu'on est en train de call en français. Sur le toit, je pense, il est là. Ouais. Knock. Allez, dégagez. Bien joué. Les gars, y'a de la sacoche et du sac, du masque ici. Au ping. Ouais, y'a de l'autorat et tout sur le toit. Sacoche, j'en ai trouvé une dans la petite cachette. Je lâche la mienne alors du coup. J'ai une boîte de plaques aussi si jamais. Je suis un vampire. Je vais aller voir s'il y a pas un drone sur le shop du coup. Ouais, j'ai full thune en plus. Peut-être acheter des frappes. Ah, c'est, il est au-dessus, oh lol. Y'a pas de drone et y'a pas de frappe dans le bazar. Par contre, y'a auto-réanimation du coup.
Je prends au moins. Vas-y, prends. Prends une, au calme. Il était où le loadout du coup? Soit ici. Sur toi. Oh, salut Socha. Elle a été plus loin, elle a été plus loin. Moi je suis. Comment tu vas Socha? Bonjour. Il y a du monde devant moi. Essaye de tempo et on va arriver. Ah oui, mais c'est ce que je vais faire. Mais clairement, hein, Loulou, il faut, hein, il faut prendre le pack découverte au début. Hein. C'est compliqué. Par contre, l'hélico, ah, ça atterrit devant vous, c'est pas devant vous. Je les ping, hein, je les ping. Là, bien joué. Ah, bah attends, il était full lui, hein. C'est pas un parachute, hein, c'est un mec qui venait du toit. Il y a peut-être encore ses collègues. Ouais, parce qu'il était vraiment full stuff. Hein. Il y avait une frappe qui se. Voilà, il y a des frappes qui se claquent là-bas, donc je suppose qu'il y a du monde là-bas. Hein. Pas impossible. Hein. Oh, ça doit tellement camper dans les hauteurs là, mec. Ça, c'est sûr, mais ça. Oh, la zone, elle va être dégueulasse. En vrai, moi, je proposerais qu'on traverse si on est déjà stocké là-bas. Là, ici. Ouais, mais faites gaffe, il y a du monde là. Il y a un mec qui vient de courir là. Il y a une team là. Ah ouais. Non, ah ouais, là, en dessous. Ah ouais, puis je joue des mecs qui sont tout en haut. Hein. Oh, c'est comme vous le sentez, les gars. Ah ouais. Nox, ceux qui montent. Il y en a un deuxième à côté de lui. Violet. Oh là là, il y a une voiture là. Vous avez pas une frappe? Non, j'ai rien du tout. J'ai une frappe. Il y en a un qui a une balle. Hein. J'en ai renoc un. Ah ouais, mais on est. C'est pas ici. Oh, je sais pas s'il fallait y aller là, parce qu'il y a des mecs à ta hauteur à droite. Vas-y, j'y vais avec, je vais avec aussi, ouais. Dans la station, je les vois pas, les gars. J'en ai tué un station, mais il y a encore du monde. Ouais, il va se faire. Il y a une voiture qui a des cales full à droite. Hein. Il sort de la station. Je me suis fait knock. On baisse, hein. Un seul pour le moment, je vois, mais au minimum deux, je pense. On en avait tué qu'un. Oh, j'arrive pour pas que tu claques ton auto. Vas-y. Merci, mec. Ils sont trois dedans. Mais la gueule, je suis. J'ai peur que les mecs viennent en hauteur sur nous, hein, après. Ils ont mis des leurres à l'intérieur pour avec eux, c'est des chiens. Je me fais courter. Ouais, je suis là, frère. C'est bon, à terre. Il y en a un autre. Je me replaque. De ce côté-ci, faites gaffe. On me tire dessus. Ah, ils sont à l'antenne. Il y a une frappe sur nous, ouais. Et ils sont à l'antenne. Ils sont dans le bat, du coup. Non. Les mecs de la station, hein. Bah, je sais pas. Ouais, tous, ok. Ouais. J'ai une frappe dans les mains. Voilà. Y'a de l'autoréa encore, les gars. Y'avait full frappe dans une des sacoches dehors, les gars. Ouais, c'est bien. Faut peut-être essayer de prendre pour le remettre. Au cas où ça nous push. On joue des salopes, hein. Ça joue R à foutre, vraiment. Fait chier, hein, les mecs de l'antenne. Je suis sûr qu'ils ont bougé en plus. Attends. Ils sont plus à l'antenne, hein. C'était ici. On fait quoi? Il va falloir traverser, hein. Ils ont l'avantage sur nous là. Je leur ai mis une frappe. Il y avait des mecs à notre gauche aussi. On monte ou pas? Ouais, je pense. On va go monter, hein. Il faut vraiment qu'on prenne la hauteur. Je vais garder une frappe dans ma main au cas où. Squarry est encore au goulag à ce moment-ci de la game? Putain, c'est ouf ça. C'est bon, les filles. Let's go. Squarry, les armes, c'est j'ai une boîte de plaques, je vais la mettre pour Squarry. Ton stuff est en bord de gaz, mec, y'a moyen que tu le récupères. Hein. Il était vraiment à la porte là, gros. Tu mets une boîte de plaques là, les gars, pour Squarry qui arrive en retard. Ouais, t'inquiète, je le couvre. Hein. J'ai une autoréa aussi, je peux la lâcher. Putain, mais. Tu snipes, c'est toi qui snipes. Ah, c'est toi qui a tiré. Quoi. Ah ouais, je vais ramasser mon truc, mais comme il met masque à gaz, ça m'a enlevé du coup. Quoi. Bon, du coup, j'ai plus de sacoche. Je t'ai mis une autoréa et une balle de plaque au-dessus. J'ai des mines aussi à te donner. Je vais mettre la frappe sur l'hélico histoire que bah ça, j'ai pas envie qu'on le prenne. Ça va casser les couilles du coup. Squarry, tiens, je peux te lâcher ça. Là, open le luth. Ouais. Crac bleu. 4 balles de stack, moi les gars. Zach, le mec. Ouais. Là en dessous, il est en contrebas. Je vais lui mettre une frappe sur la gueule. Ah non, pas que pour lui, hein. Oh, dommage. Wouh. J'ai failli prendre une balle de strike. Boucher, il a un HP, hein. J'arrive pas à lui mettre.
Il s'est fait toucher par quelqu'un d'autre, je crois. Oh là là là, ouais, les gars, voiture blanche. Ouais, 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 bah oui, ça, c'est les gars. Dommage, j'ai gardé la voiture de tout à l'heure, ça. Moi, je peux absolument rien faire. J'ai mis la frappe, j'ai mis. Mais je peux absolument rien faire, j'ai pas assez de balles de snipe, moi. Ouais, bah, je vais, vas-y, je vais. Ça va, merci, Socha, et toi? Vous êtes en bombe ce matin? Comment ça? Comment ça, je suis en bombe ce matin? Comment ça? On est en plein open. Il est derrière ça, derrière ça. Oh, bah, ouais, c'est derrière la dune. Tu vas prendre un thermo chez Oli, Loulou? Oh, bah, y a encore personne qui l'a pris. Tu pourras peut-être nous dire du coup ce que t'en penses, parce qu'il y a personne qui a encore osé le prendre. Vu qu'il est un peu cher et tout. Mais face à eux, pour pas qu'on se fasse jouer. Ils ont pas la zone, hein, ils vont devoir décaler, ils ont pas la zone. Ils vont 12 autoréa, tu galères à avoir un drone, mais tu peux avoir. Un terre. Y'en a deux à droite, Un, encore un terre. T'as la dernière balle quoi. À droite derrière la dune. Ah, il est au boubou, il est au boubou. Putain de sa mère. J'ai une termite au pire. Il pêche. Knock. Bien joué. Dégagez. Les gars, on a deux mecs derrière nous qui pêchent. Ok. Derrière nous. Je les ai pingés avant, y'a plus. Ouais, là. Et genre, ils ont pas de balles de snap. Ok, ok. Putain. Et j'ai pas pu ramasser la sacoche, elle a des pop. Oh non, vas-y, c'est trop. Il est mort. Ah, je vais prendre leur RP4, tant pis. Quelqu'un veut prendre le boubou ou pas? Y'a 40 balles. Bon appétit, Jojo. Dans le sac, là. Bon appétit, mon Jojo. Merci. Courage pour vaguer, merci Jojo. T'inquiète, hein, de toute façon, moi je vais bientôt devoir bouger. Hein. Ouais, j'ai beaucoup de travail aujourd'hui, il faut que je mange avant. Let's go. Ça nous pêche. Ça pêche, les gars, ça pêche. Ça va, je... Ça court là en open. Ok, j'ai pas encore la ligne. Attends, j'attends. Dès que vous sentez que vous pouvez. Ouais, je sais, c'est ce que ça veut dire ultra. Hein. Je sais. Crac. Knock. Crac. Je sais ce que ça veut dire, hein, ultra. Un knock. En bombe. GG. Y'en a un autre plus loin aussi. Ouais, ouais. Y'en a que je slide un peu plus loin. Là-bas. Touché. Ah, mort. Y'a 4 mecs là-bas. À la voiture blanche. Devant nous. Un, voiture blanche, ouais, mais... Il s'est réa, il est une balle. Bien joué. Y'a les mecs qui nous contournent à droite. Hein. Je vais toucher sale derrière la voiture blanche. Oh putain, j'ai pas de cliff. Il est mort à la voiture blanche. Ah, je me fais jouer. Le recul, Chino, recule. Tac. Knock. Tirez, Chino, tire de suppression. Je peux pas, je suis pas. Oh, je suis dead. On a 0 ligne dessus, Spacey, 0. Hein. Ouais. Dommage. Je les vois pas. Si, y a une frappe, je suis dead. Ok, si, je les vois. Touché. Mais y a une team dont on a pas l'info et ça me tend. Peut-être un mec tout seul. Je vais faire la maline, moi. Qu'est-ce qu'il y a, Spacey? En face de moi, j'ai plus de plaque, je claque la boîte. Mais... Hein. En face de moi, c'est vraiment en face. Ah, sur la gauche, Cory. Un ennemi atterri. Hein. C'est un para, il est là. Aïe. Oh non. Knock. Vas-y. Je m'autoréa. 2, j'en ai knock un, mais c'est les last. Hein. Ils sont où? Bah, derrière la dune, toujours, ça a pas bougé. En vrai, moi j'ai un rocher là, je suis pas mal. Crac. Un à droite. J'ai mis une mine de dispersion, s'il push dessus, pour ramasser. Crac. À droite. À gauche, pardon. Y'en a un à notre droite, Spacey. Ils ont pas la zone, ils doivent push. Hein. Mais ils meurent pas avec la mine à dispers. Y'en a un à notre droite. C'est le mec à droite qui va poser problème, hein. C'est le mec à droite. Ouais, c'est pour ça que je check. Où est-ce que t'es, frérot? Ah, ils ont la zone. Quel chien. Bien joué. Il y a une autre, celui à droite. A terre le deuxième. Fais gaffe à droite. Il est une balle devant toi, Spacey. Il s'est réa dans un buisson. Tiens, ils s'autoréa tous, fais chier. Ils ont tous de l'autoréa, gros. Ah, ils ont tous de l'autoréa. C'est une blague. Ouais. Ils ont tous de l'autoréa. Bande de chiens, va. Ah, la game était incroyable en plus. J'adore. Mais casse les couilles. Attendez, moi je quitte le groupe parce que moi il est midi là. Désolé. Il faut en parler. Non mais c'est quoi cette zone de merde? What the fuck? Mais ils ont tous été knock au moins une fois. Oh, bah oui, le nombre d'autoria qu'il y avait dans les champs, c'est abusé. On a fait que des down, ils sont tous down. Ils ont 3 autoria chacun. Et tu cries Spicy, tu cries. Non mais là c'est bon. Ah tu t'énerves là, on dirait la maîtresse d'école. Ça suffit maintenant, hein. Ok.
Je vais m'énerver, hein. Ah, mais non, mais c'est vrai. Ouais, non, ils sont 36 000 autoréas. Ils mangent, ils chient des autoréas, tout ce que tu veux. Mais meuf, attends, mais t'as droit à un drone. Non, mais t'as droit à un drone par shop, mais t'as illimité d'autoréas, donc tu stockes des autoréas. Hein. T'as rien compris au jeu, toi. Oh merde. Bon, les copains, je vous laisse, moi, parce qu'il est grand temps que je parte là. Je vais aller manger puis bosser, donc voilà. Merci beaucoup. Vas-y. Merci pour les games. Bisous. Gros bisous. Bon courage, surtout. Et à lundi prochain. Bisous, l'équipe. Tchou tchou. Bisous, bisous. Allez. Merci. Merci bien à vous. Merci à vous. Ah oui, c'était cool. Hein. C'était cool. Bisous. Ouais, bisous. Ah là 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 là, putain, les gars. C'était drôle, hein. Ouais, tu peux avoir 200 autoréas, quoi. Le jeu est tellement bien fait. Lol. Les thermos pour garder les boissons fraîches en été, c'est le top. Boisson fraîche ou boisson chaude en vrai, Loulou, ouais. Ah, tu m'étonnes, Loulou, c'est trop bien ça. Mais ouais, toi, tu vas acheter le thermo au lit, en vrai. Curieuse de savoir, tiens. Curieuse, en vrai. T'inquiète, pas de soucis, Ultra. Dommage, ouais, dommage. Belle session, ouais, c'était sympa, en vrai. C'était sympa. Mais j'ai ragé aussi, hein, ce chat, on a ragé tous, là, aujourd'hui, hein. On a tous ragé. Mais non, c'était franchement, c'était chouette, les gars. Mais voilà, à petite dose, hein, ça m'a suffi. Ça m'a clairement suffi, j'ai pas envie de jouer plus. Mais non, c'était cool, c'était super cool de jouer ce matin. Je pense que j'ai quand même fait des beaux petits trucs. Bonnes petites actions, des bons petits frags et tout, c'était chouette. C'était chouette, à petite dose comme ça, ça me plaît. Voilà, voilà. Mais moi, les amis, je vais vous laisser, du coup, vu qu'il est midi. Aujourd'hui, je peux pas prolonger plus que ça, parce que déjà, il y a Hogwarts Legacy qui sort cette semaine, donc on va beaucoup stream. Il faut que je m'avance dans le travail pour pouvoir stream beaucoup cette semaine, enfin cette fin de semaine. Mercredi, jeudi, vendredi, ça va être des grosses sessions de stream. Donc il faut vraiment que je prenne de l'avance dans autant le taf création de contenu que le taf IRL, quoi, le taf privé. Donc j'ai beaucoup de choses à faire et il faut vraiment pas que je prenne du retard parce qu'après je vais galérer, quoi. Donc voilà, aujourd'hui petite session jusqu'à midi tranquille. On a fait presque 4 heures de stream, donc c'est très bien. Et voilà. Comme vous avez pu voir, merci pour les premiers bits du mois. Hein. Donc ici, maintenant, on va fonctionner avec des bits et des dons, les gars. On va essayer ça pour changer un peu des sub-gifts, etc. Vous pouvez continuer à prendre votre sub personnel, un sub, voilà. Ou alors, si vous voulez offrir un sub vraiment à quelqu'un de bien spécifique sur le chat qui ne peut pas se sub tout seul pour qu'il ait son badge et ses émotes, n'hésitez pas. Mais je veux dire, par exemple, si vous avez envie de faire 30 sub-gifts, à des gens totalement random qui ne passeront peut-être jamais sur la chaîne, si vous voulez vraiment me soutenir... Ne faites plus des sub-gifts, les gars. Bits ou dons. Votre sub personnel ou un sub à vraiment quelqu'un de spécifique dans le chat que vous savez qui passe régulièrement, etc. Il n'y a pas de problème. Mais voilà, on met ça en place. J'ai encore pris des notes, donc je vais encore, si j'ai le temps, travailler un petit peu sur encore la chaîne Twitch, etc. Parce que j'ai des petites nouveautés que j'aimerais bien mettre en place. Et voilà, petit à petit, je vais essayer de bien coïncider tout. Le travail... La création de contenu sur Instagram et les clips aussi qui se retrouvent, donc, comme je vous l'ai dit, sur TikTok et sur YouTube Shorts. Donc, point d'exclamation TikTok dans le chat si vous voulez. Normalement, il y a les deux, il y a YouTube et TikTok. Et les améliorations Twitch, quoi, parce qu'il faut que je continue à m'améliorer sur Twitch aussi. Donc, beaucoup de travail. Voilà, voilà. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un bon appétit. On se quitte sur une magnifique musique, les gars. Donc voilà, gros bisous à tous, passez une excellente journée, bon appétit, à demain. Demain, on fera du Destiny, voilà, on va continuer à aller... ce sera peut-être la dernière fois qu'on ira sur Destiny jusqu'à l'extension, donc on va farmer un peu le PVP, je pense, demain. Et voilà, merci à tous, des gros bisous, les gars, merci pour tout, et prenez soin de vous, à demain. Ciao, bisous.